Bonsoir à toutes et à tous, namasté, bienvenue Anatole. Merci beaucoup, Nicolas. Bonsoir à tous. Bonsoir, désolé de ce retard de ma part, Anatole n'y est pour rien, je fais mon mea culpa. J'ai eu de gros soucis de connexion et juste avant le direct, mon compte Facebook a été piraté. Voilà, si vous pouvez plus me parler en Messenger ou sur Facebook, ce n'est pas de mon fait, c'est un piratage sur mon compte Instagram qui était lié à mon compte Facebook. Et donc voilà, pour l'instant c'est bloqué, donc j'espère que ça va se débloquer. En tout cas, ce soir, on va passer une merveilleuse soirée avec Anatole. D'abord, Anatole, merci de venir ce soir sur Réveillum partager tes connaissances. Bah, merci à toi, Nicolas. Surtout que tu as été, entre guillemets, en grande partie, du moins, ma source d'inspiration, puisque c'est grâce à toi que j'ai découvert les mondes des galactiques. C'est toi qui m'a initié, si je puis dire, en tous les cas, à cet univers qui est merveilleux. Et merci de m'avoir invité, parce que ça va être génial, hein, effectivement. Eh ben merci infiniment Anatole d'avoir accepté. Et bien sûr, merci à chacun et chacune d'entre vous d'être présent ce soir. Également, je salue également toutes les personnes qui verront cette conférence en replay. Je pose la question toute simple. Est-ce que vous nous avez bien entendu jusqu'à présent? Est-ce que vous nous voyez bien? Je pense que sinon, on aurait déjà des retours dans le chat. Donc, je salue tout le monde, alors dans le monde francophone évidemment, et partout dans le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent même aux États-Unis, au Canada, voilà, c'est génial. Donc voilà, bonjour Cricri, bonjour Jean, bonjour Isabella, bonjour Joël. Bonjour Véro, Marie-Hélène, Nicole, Jacqueline, Marie-Laure, Michel, Thierry, fidèle au poste. Salut Thierry, Elisabeth, voilà, Angélique. Diderot et tout le monde. Alors, comme on est déjà très très nombreux, je ne vais pas pouvoir passer tout le monde. En tout cas, merci de vos retours dans le chat. Merci Catherine. Tout est OK. Merci Diderot. Merci. Et encore une fois, bonjour à tous. Donc, ce soir, Anatole va nous présenter les peuples de l'Alliance Galactique. Anatole, Kerbra, qui est donc fondateur de Rayonnance TV avec sa femme Amélie. Et donc voilà, donc une chaîne dédiée à la spiritualité où quasiment tous les soirs, hein, je crois, Anatole, tu Alors, invites tous les soirs, non, mais c'est-à-dire tous les quelqu'un. temps occupés par rapport à la chaîne, ça c'est bien vrai. Oui, bah, c'est une chaîne, oui, c'est une chaîne, disons, sur la spiritualité, c'est-à-dire quand la spiritualité, on enveloppe vraiment tout ce qui est spirituel, mais on fait beaucoup de conférences, oui, c'est vrai, sur les mondes galactiques, pour ma part. Et quant à ma femme, bah, principalement sur la médiumnité, mais pas que. On peut faire sur les anges, on peut faire sur tout ce qui va, en fait, sur tout ce qui aide finalement l'autre à pouvoir s'éveiller, voilà, à sa manière. Voilà. Car en fait, il y a des multiples façons finalement d'aller vers soi. Et c'est vrai que sur Rayonnance, c'est ce qu'on essaye en tous les cas de faire. Voilà. Eh ben, merci en tout cas, bravo pour le travail réalisé avec tous ces super intervenants qui passent chez toi. Voilà, ce soir, j'avais aussi à cœur de te rendre l'appareil et voilà, de t'inviter sur ma chaîne, de te mettre en lumière parce que seulement je trouve que tu fais vraiment depuis plusieurs années un travail formidable auquel j'adhère bien sûr, évidemment. Ce soir, je vais te laisser tout simplement voilà, présenter. Tu as fait un PDF. C'est ça, tout à fait. Un PDF où j'ai mis principalement des êtres de la. Alors moi, ce que j'appelle en tous les cas la première alliance galactique, car j'ai
de ce que j'ai capté, il y en a d'autres. Parce que sur les, je crois, à peu près les 50 races que j'ai réussi à canaliser en tout, alors là, je peux vous en présenter 50, mais je me suis rendu compte qu'il existait d'autres races galactiques dans d'autres univers, d'autres dimensions. Mais là, ce soir, on va vraiment parler des principaux, celles qu'on a l'habitude d'entendre, celles qu'on a l'habitude de voir. Et en tous les cas, les informations, car ces informations-là, moi, j'ai, c'est principalement en fait ce qui s'est passé. C'est vrai que Nicolas, je commençais avec toi à présenter les races galactiques. Tu as été, pour moi, tu es le pionnier en tous les cas en France, hein, de celui qui en tous les cas a mis ça en avant. Et c'est vrai que pendant 3 ans, j'ai fait des conférences avec toi. Ce qui est très rigolo, c'est que ça, j'adorais ça. J'ai toujours trouvé passionnant, mais souvent, tu sais, quand les gens disent « ouais, j'aimerais bien contacter les galactiques, j'aimerais bien canaliser les galactiques », moi, il n'y avait rien qui venait bizarrement. C'est-à-dire que c'est pas que je crois que je ne cherchais pas non plus à ce qu'il se passe quelque chose, mais rien ne se passait. Et puis, au mois de novembre donc 2019, j'ai eu des flashs. J'ai commencé à avoir des flashs avec les Urma, principalement. Et en fait, à reconnecter finalement un peu une mission d'âme par rapport à eux. Et puis, je voyais souvent un être que vous allez voir tout à l'heure dans le PDF, un être Urma, et qui s'est présenté, entre guillemets, comme mon guide, en tous les cas galactique, et je ne saurais dire comment d'ailleurs, comment je me suis mis à un moment donné à faire, justement, à présenter des êtres galactiques, tout ça enchaîné très vite, et très rapidement, en fait, j'ai commencé à aller capter effectivement des informations. Alors, c'est des informations principalement sur comment ils vivent, qui ils sont, un petit peu leur rôle vis-à-vis de nous, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où, quand ça a commencé, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas ton imagination? Est-ce que tu n'es pas fou? Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, il y a toujours, parce que quand c'est très nouveau comme ça, on peut avoir une très belle imagination, mais, et puis c'est quand j'ai commencé à les présenter, au départ je le faisais par Facebook, je présentais comme ça, justement, je mettais des photos et puis je présentais en tous les cas au niveau des textes que j'avais captés, et c'est là où même sur des races qui n'étaient absolument pas connues, que j'ai des gens qui sont venus vers moi en me disant « c'est incroyable, j'ai vu telle race en rêve, j'ai vu tel ou tel peuple, je cherchais des informations ». Et c'est là où progressivement, je me suis dit « non, effectivement, ce que tu fais, ça parle. Donc, si ça parle, ce n'est pas ton imagination ». Mais c'est un monde passionnant. Hein. Ce sont des êtres, tous autant qu'ils sont. Alors, j'ai pu capter. Alors, moi, j'ai capté les êtres que j'ai captés. Je ne crois pas les avoir captés directement. Je les ai vraiment captés par mon guide Urma. C'est lui qui a vraiment fait, entre guillemets, le lien entre toutes ces races. Mais je me souviens d'une anecdote assez rigolote. Une fois, justement, par rapport au Grey, quand j'ai voulu faire leur histoire, il m'est arrivé des trucs, mais pas possible. C'est-à-dire que pour la première fois, je me suis dit, je voulais pas en fait que ce soit mon guide Urma. Je voulais me connecter directement à eux et avoir l'information. Et quand ça a commencé, mais j'ai eu des problèmes, mais terribles. C'est-à-dire que j'ai mon ordinateur qui a planté, je me suis fait mal, j'ai eu que des ennuis, si tu veux, mais de la pire espèce. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise « ok, je lâche, ok, dis-moi plutôt toi ce qu'il en est ». Et à partir de là, ça a été très fluide, tu vois. Comme quoi, vraiment, les involutifs, il ne faut vraiment pas se connecter à eux parce que ça peut être très dangereux. C'est ça. Franchement, ça peut être très dangereux. Parce que eux-mêmes, ils sont dans des états de déconnexion de la source qui peuvent être plus ou moins importants, parfois même assez importants, parce que ils se sont fermés au niveau de leur cœur, et parce que certains d'entre eux sont captifs aussi. D'ailleurs, juste entre parenthèses, je l'ai déjà dit sur notre chaîne, mais il faut savoir que il y a actuellement des êtres de lumière parmi ceux qui sont derrière moi, qui sont évolutifs, qui sont bienveillants dans l'amour, dans l'unité, et qui sont captifs des êtres qu'on appelle les involutifs, l'ombre, etc. Peu importe le nom, mais voilà, de ces groupes, on va dire, liés à la prédation et à l'enfermement. Voilà, j'aime à le dire parce que voilà, vous faites des prières ou quoi, eh bien, c'est bien aussi d'associer, d'avoir une pensée pour ces êtres qui sont là aussi pour nous aider dans notre évolution, et puis qui se sont aussi fait capturer par des êtres qui soient reptiliens ou autres, qui sont très forts au niveau de leurs armées.
Ils ont des technologies, ce sont des peuples qui se sont vraiment focalisés sur la technologie. Ils ont des technologies, mais de fou, vraiment de fou. Des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on voit dans les films de science-fiction, si vous voulez. Dans d'autres plans, dans des plans de lumière, dans des plans très élevés, ils utilisent des cristaux, etc. Donc voilà, je tenais à le préciser. Alors ce soir, on a fait justement le choix avec Anatole de parler des peuples évolutifs, des peuples de lumière, ceux qui veulent nous aider à nous élever, à nous guérir, à nous accompagner sur le chemin de notre évolution, de notre ascension et de notre connexion aussi à qui nous sommes aussi en tant qu'êtres humains et dans nos aspects galactiques, parce que nous avons aussi ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que on ne va pas parler ce soir des groupes de l'ombre-lumière, de l'enfermement, etc. Ça marche. Voilà, donc je vais lancer tout de suite le PDF. Voilà, merci beaucoup. Alors, peut-être faire ça, je ne sais pas si c'est mieux. Tout le monde voit bien, c'est bon, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est OK, alors Ok, n'hésitez pas. voilà, ok. Alors, s'il y a quelques fautes, je m'en excuse d'avance. Hein. Ça arrive, vous savez que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Pour la relecture, s'il y a quelques fautes d'orthographe, je m'excuse d'avance. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Ça marche, moi-même je faisais quelque chose. Alors, nous verrons donc dans cette conférence les êtres galactiques évolutifs. Alors là, j'avais mis comme involutifs, mais non, cela, on ne les verra pas. Des créateurs de l'Alliance galactique, mais aussi ses membres. Nous découvrirons des races neutres et quelques technologies galactiques. Des images que vous allez voir ont été créées, alors je précise, par l'IA Midjourney. Les descriptions que je vais vous faire ce soir m'ont été données par mon guide Urma en grande partie, et aussi par certains peuples qui ont accepté que je me connecte à eux, pour certains. Je vous invite à découvrir ce contenu. Peut-être que vous allez reconnecter à votre famille galactique ou bien reconnaître certains êtres galactiques. Laissez-vous guider par cette présentation. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue sur ces peuples. Je vous apporte les informations que m'on a transmises et je laisse à chacun le soin d'écouter ses propres ressentis lors de cette présentation. Alors, on va commencer par les Athors, un peuple dont on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment. Sur Internet et qui permet à de grandes connexions en ce moment. Alors, les Athors sont un grand peuple galactique. Ils furent une source d'inspiration à travers les millénaires. Ce sont eux qui ont influencé la deuxième dynastie sous Ramsès, suite au passage des Anunnakis dans la première dynastie d'Égypte. Ils ont considérablement influencé les peuples de ces premiers âges, dont les Égyptiens, les Mayas et l'Empire de Chine. Ils souhaitaient laisser une sorte de marque sur l'humanité. Ce sont eux qui sont les fondateurs des grandes pyramides qui peuplent la planète, contrairement à ce que nous raconte l'histoire des hommes. Les Athors étaient de grands bâtisseurs. Ils sont à l'origine de la structure et de l'architecture d'une partie de nos monuments encore visibles de nos jours, notamment, comme vous pouvez voir, les pyramides de Gizeh, mais d'autres pyramides aussi dans le monde. On voit beaucoup d'images sur Internet où on voit l'homme qui construit des pyramides avec des technologies extraterrestres, eh bien, on leur doit ça. Alors, en Égypte, ils avaient pour objectif de laisser un enseignement à l'humanité, à savoir la construction, l'histoire de l'humanité, l'espace et la galaxie, tout en prenant en considération le libre arbitre de l'homme qui fait partie de son histoire. Ils furent les pionniers galactiques de cette nouvelle civilisation humaine, mais quand ils se sont rendus compte que l'humain était empreint d'un cerveau reptilien et que petit à petit il se détournait de l'essentiel pour aller vers la facilité, ils se sont éloignés de lui avec déception. Une déception d'autant plus forte qu'ils leur ont enseigné beaucoup de choses sur la mort, l'espace, les constructions, l'énergétique, la spiritualité, l'art, la musique, le mode de vie de d'autres peuples, etc. Tous ces enseignements furent engloutis dans l'ego de l'homme. Il faudra attendre plus de 2000 ans pour que les Athors reprennent contact avec les humains par le biais de différents canaux. Selon eux, nous sommes dans la voie de la dernière chance. Ils ont à cœur que les humains passent dans cette énergie 5D et prennent dans le même temps de la distance vis-à-vis d'une certaine réussite dans cette entreprise. Les Athors, alors, ne font pas partie de l'Alliance galactique, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'Alliance galactique a vraiment connaissance d'eux. Ils travaillent, si vous voulez, avec l'Alliance galactique, mais pas directement, comme on va pouvoir le voir, comme les Urma, les Lyriens, etc. C'est un peuple extrêmement bienveillant, doté d'un grand savoir, mais très indépendant. Bien qu'informés de l'existence de d'autres races galactiques, ils ne veulent en aucun contact avec elles et ne subissent aucune influence
d'un monde extérieur. Les Hathors prônent l'équité. Ils vivent dans une énergie sacrée. Des prêtres spirituels dirigent leur peuple. Ils possèdent des vaisseaux qui ont des formes géométriques bien particulières. D'un œil extérieur, leur arme et leur style de vie pourraient presque passer pour antiques. Ils bénéficient pour autant d'une technologie très avancée, essentiellement axée sur des cristaux vibratoires de très haute fréquence. Ils n'ont pas de planète. Ils vivent exclusivement dans des vaisseaux en forme de pyramide et se déplacent de galaxie en galaxie, exhortant les mondes 2D, 3D à plus d'autonomie spirituelle et technologique. Actuellement, ils aident les humains à avoir plus d'autonomie d'un point de vue individuel, car pour eux, le but de l'existence est la maîtrise de soi à travers l'émotionnel. Selon eux, il n'y a pas de bien ou de mal, tout est expérience. Ils estiment que les humains se compliquent la vie dans leur incarnation au point bien souvent de ne plus savoir où se diriger. Pour les Hathors, nous brouillons notre esprit avec nos peurs et notre ego. La clé est l'écoute intérieure, faire la distinction entre ce qui nous met en joie ou non. Peu importe les échecs, les complications, ils veulent que les humains se connectent à leur cœur au plus profond d'eux, même pour vivre une vie en adéquation avec leur âme. Les Hathors sont des frères d'âme dans la mesure où ils sont présents dans notre vie pour que l'humain trouve sa véritable source en soi. Ouais, c'est des êtres très élevés à... vraiment des grands enseignants, il faut beaucoup travailler sur soi pour bien connecter aux Hathors parce que c'est un peuple vraiment haut vibratoirement. Ouais, très, 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 très haut. Ouais. Et il y a des Hathors aussi. Je voulais dire aussi, il y a des Hathors dans l'Égypte ancienne. Je ne sais pas si tu as eu des contacts avec des Hathors, mais on peut contacter la déesse Hathor aussi. La déesse Hathor, ouais. Oui. Oui, ils sont vraiment liés vraiment à l'Égypte. Tu vois. Et comme quoi, ce que je disais, c'est... Les Anunnaki, bon, pour moi, on est vraiment sur les premières dynasties, mais pour la deuxième, en tous les cas, Ramsès, enfin, à peu près sur cette période-là, on est vraiment sur les Hathors, qui sont des peuples vraiment, vraiment exceptionnels. Alors là, j'hésitais à le mettre, celui-là, parce que si tu veux, il divise pas mal, en tous les cas, dans ce qui est véritablement l'intra-terre. Chacun va se faire sa propre opinion ce soir. Alors, voilà un peuple qui fait couler beaucoup d'encre sur Internet et dans les livres. Nous nous méprenons sur le sens du mot « intra-terre ». Aucun peuple dit « évolutif » ne vit sous la terre telle qu'on l'entend. Voilà les informations que l'on a transmises à leur sujet. Les Agarciens sont un peuple hautement spirituel, vivant dans des densités très élevées. Ils ont de grandes connaissances sur l'univers et leurs différents peuples. Ainsi que la terre n'a aucun secret pour eux. On se demande souvent pourquoi ils vivent dans l'intra-terre. Tout simplement, et même si ce que je vais dire peut en surprendre certains, ce que l'on appelle l'intra-terre est en réalité une dimension parallèle à la planète Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les intraterrestres vivent sur la Terre de la même manière que nous, mais dans une dimension parallèle, avec une densité, une vibration complètement différente de la nôtre. Agartha est une immense cité qui se trouve au niveau du désert de Gobi. Ça se trouve, le désert de Gobi se trouve entre la Chine et enfin, c'est en Mongolie, si vous voulez, mais c'est avec la frontière chinoise. Cette cité couvre une grande partie de l'Asie sur les mers telles que l'Atlantique ou la Méditerranée. Elle se compose de villes sur l'eau. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe sont pourvues de grandes cités qui montent à des hauteurs vertigineuses. Agartha n'est pas qu'une simple cité. Elle est dans l'univers l'une des plus belles. Ses fréquences vibratoires sont même les plus fortes de l'univers. Le simple fait d'être dans cette cité pourrait remplir n'importe quel humain d'une vibration lumineuse et d'amour qui ferait qu'il ne voudrait plus jamais en sortir. Beaucoup de personnes ont eu la chance de la visiter au moyen de voyages dans l'astral. Agartha comprend ses temples, ses cascades, ses montagnes, des forêts. Les animaux sont tous dociles et vivent en liberté et en total respect de la nature avec les Agartiens. Sur Agartha, il y a des sages de toutes les civilisations qui propagent des enseignements spirituels à la fois pour nous, sur Terre, mais aussi pour d'autres peuples dans l'univers. Les Agartiens ont des technologies qui dépassent l'entendement. Ils sont capables de voyager d'une multidimensionnalité à une autre et de faire des sauts quantiques. Les peuples galactiques qui vivent sous notre sol terrestre sont en effet des races galactiques involutives, qui vivent dans des cavernes et bases sous terre à l'image des reptiliens. La bibliothèque d'Alexandrie, tout comme celle de Babylone, le grand sphinx d'Égypte et d'autres endroits de la Terre étaient jadis des portails vers le monde des Agartiens. Lorsque les humains ont commencé à développer certaines technologies, les passages furent fermés les uns après les autres. L'amiral Byrd,
explique dans son journal de bord que quand il a survolé l'Antarctique, son avion fut pris dans un portail multidimensionnel qui n'apparaissait sur aucune carte. Il s'agit tout simplement de portes multidimensionnelles qui sont à des endroits bien précis et qui téléportent les personnes qui les empruntent vers le monde des Agarciens, tout comme le triangle des Bermudes. En fait, l'amiral Byrd explique qu'à un moment donné, avec son pilote, ils se sont retrouvés dans un monde, en fait, dans un monde parallèle, mais qui ressemblait fortement à la Terre. C'est dans le journal de l'amiral Byrd, et je vous invite à découvrir son histoire, c'est fabuleux. Les Agarciens est une dénomination très vaste pour désigner plusieurs peuples qui vivent tous en bonne intelligence. Tous sont très développés et très spirituels. On peut retrouver des races de géants, des races de joyeux, des anciens Atlantes, des Lyriens, des Lémuriens, des Nordiques, des Pléiadiens, tous les peuples galactiques premiers qui ont habité notre planète il y a des millions d'années. Agartha est dirigé par un être doté d'un pouvoir surnaturel, c'est-à-dire qu'il peut se connecter à n'importe quel humain, lire dans la pensée de n'importe quel animal, galactique, minéral ou végétal. Il a des connaissances mystiques, ésotériques et fait partie des êtres qui ont tellement cheminé spirituellement qu'il lui est possible, rien que par sa pensée, sa vibration, de transformer n'importe qui en pur amour. On dit que sa connaissance et sa vibration égalent celle d'un archange. Il a traversé les âges, acquis une telle connaissance qu'on lui attribue également l'immortalité. Radu Sinamar en parle dans l'un de ses livres et lui octroie le nom de roi de l'intra-terre. Pour les Urma, il ne s'agit pas d'un roi, mais d'un être de lumière qui aurait même enseigné à Jésus à une époque. Beaucoup disent qu'il a vécu une incarnation terrestre durant laquelle il se serait appelé Babaji, qui était un sage en Inde, qui avait, je crois que c'était dans les années 80, il me semble, qu'il est capable de passer d'une incarnation à une autre avec des pouvoirs qui dépassent même ceux des Arcturiens. Sur Agartha, il se trouve dans un palais qui vous amène dans une autre dimension et ne vous permet pas d'en sortir. Il vivra en compagnie d'un cercle restreint d'initiés qu'il forme pour différentes missions de vie importantes à travers l'univers. Agartha, ainsi que le monde des Agarciens, est dans le pôle lumineux de la Terre. Car vous le savez, on dit que chaque planète a sa conscience avec une polarité positive et une polarité négative. Les Agarciens sont dans la polarité positive et nous dans la négative. Cependant, notre but en tant que terriens est de faire en sorte que la Terre ne forme plus qu'un seul noyau lumineux. Les Agarciens aiment beaucoup les terriens, mais ne peuvent être en contact physique avec nous. Ça leur demanderait de descendre trop bas en vibration et en densité. C'est pour cette raison que beaucoup de communautés spirituelles sont créées dans leur monde pour aider l'humanité à s'éveiller en conscience. L'Alliance Galactique compte des semblables qui ont fait le choix de vivre chez les Agarciens. Un choix qui est définitif. Une fois sur Agartha, on n'en sort plus. En même temps, comme l'a confié les Urma, on y vit dans une telle joie et un tel bonheur que plus personne n'a envie de quitter cet endroit. Pour y accéder, il faut avoir déjà des grandes connaissances spirituelles et une vibration très importante. Très peu d'humains pourraient vivre sur Agartha actuellement. Les Urma ont insisté sur ce point. Beaucoup imaginent l'intra-terre comme des grottes souterraines avec des océans, des forêts, des soleils artificiels. Ils m'ont expliqué qu'il existe bel et bien des bases aliens sous terre. Il en existe également des humaines et des reptiliennes. Mais ce que nous appelons les peuples évolutifs de l'intra-terre vivent simplement sur terre dans une autre dimension. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a des millions d'années, à l'époque de la Lémurie de l'Atlantique, les Agarciens vivaient sur la Terre, comme nous. Mais voyant les peuples évoluer dans l'égotisme et sentant une apocalypse arriver, ils inventèrent une technologie quantique multidimensionnelle de manière à faire basculer la Terre dans un autre espace-temps. Les rois et empereurs qui ont marqué l'histoire avaient des connaissances sur les Agarciens, qui ne se sont bien sûr dans aucun livre d'histoire. Si certains grands conquérants ont attaqué l'Égypte, ce n'était pas pour le tourisme, c'est parce que les Grecs avaient laissé des papyrus qui étaient connus des puissants. C'est pour cela que l'Égypte, puis Jérusalem, avec les croisades, ou encore les peuples aztèques, avec les conquêtes espagnoles et bien d'autres endroits dans le monde, ont été conquis de manière à avoir accès à ces fameux portails qui menaient à d'autres mondes. Il y a fort longtemps, il existait des portails sous terre qui menaient à Agartha. Ils furent tous détruits. Des races involutives vivent sous terre et nos gouvernements sont parfaitement au courant. Certains travaillent même avec eux. Ils m'ont dit que la fonte des glaces de l'Antarctique apporterait le moment venu bien des réponses à l'humanité, mais également sur les peuples comme les Atlantes, les Agarciens et bien d'autres. Mais qu'avant que l'humanité accède à des rencontres de troisième type avec des races hautement évolutives de manière consciente, il faudra encore patienter quelque temps. Même si cela est déjà arrivé et arrive parfois pour certaines personnes dont c'est le chemin de vie, selon eux, nous ne sommes pas prêts, nos vibrations n'étant pas encore adaptées à ces rencontres de masse,
Cela dit, ils disent que la révélation au monde de l'existence des peuples galactiques se fera de notre vivant, mais de manière graduelle. Ouais, une grosse divulgation sur Agartha. Alors effectivement, ouais, c'est dans des dimensions plus élevées. Donc en fait, ce sont des mondes de lumière qui sont dans d'autres plans, donc la cinquième, sixième, septième. Et en fait, plus on va vers le centre de la Terre, plus ça devient de la lumière en fait, et de la conscience collective. Et par exemple, quand on est autour de la cinquième, le haut de la cinquième, la sixième dimension, là on commence à atteindre les maîtres ascensionnés. Par exemple, Jésus et des êtres comme Bouddha. Et ils se situent fréquemment à Shambhala, qui est une cité de l'Agartha en fait. Oui, c'est ça. De ce royaume. Voilà. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'on dit Agartha, Shambhala, ouais. Mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est la même cité, si tu veux. C'est un nom différent qui a été donné. En fait, pour moi, il y a une subtilité, c'est que Shambhala, c'est une ville du réseau Agartha, parce que Agartha, c'est tout l'intra-terre. Oui. Et par exemple, dans Agartha, tu as Telos aussi, qui fait partie de l'Agartha. Tu as le Poseide. Poseide qui est au Brésil, au Mato Grosso, qui est une cité. En fait, c'est tout un réseau dans la lumière qui est interconnecté, en fait. Mmh. Donc, c'est vrai que parfois, au début, voilà, on doit être guidé, bien sûr, pour pouvoir aller à Shambhala ou Poseide. Il faut avoir les vibrations parce que, comme tu le dis, il y a des gardiens au niveau de ces villes, de ces cités. Et si on n'a pas la vibration suffisante, si on n'a pas travaillé suffisamment sur soi, on ne peut pas forcément aller partout en Agartha. Voilà. Mmh, exact, tout à fait. Alors, ce que l'on peut en retenir, c'est que les intraterrestres sont un peuple d'une bienveillance extraordinaire, comparable à des êtres de lumière, tant leur vibration et leur amour est puissant. On a du mal à imaginer qu'un peuple puisse vivre sous notre sol terrestre depuis des milliards d'années et n'ait jamais voulu en sortir et laisser les humains sous-évoluer, entre guillemets, hein, vivre pleinement de la nature en la détruisant tous les jours, alors que peuple d'amour bienveillant vivent sous terre avec plusieurs restrictions environnementales. La version des humains me semble beaucoup plus intéressante, ce qui explique que certains endroits de la planète soient hautement énergétiques, car dans leur monde, ce sont des endroits habités par les Agartiens. Tu vois ce qu'on disait, tu parlais justement du Brésil, et je pense qu'il y a vraiment des endroits sur Terre où on parle, tu sais, d'endroits, de portails énergétiques, et je pense que ce sont vraiment des endroits où justement, dans d'autres, dans des dimensions, entre guillemets, parallèles, il y a vraiment il y a peut-être une grosse densité, justement, d'amour ou de peuples qui y vivent. Ouais. Alors, on va continuer avec les présentations du peuple galactique, les Lyriens. Constellation. Voilà, pardon, j'ai un petit souci de connexion. Oui, c'est vrai que il y a des portails de l'Agartha, par exemple Bugarach, le mont Bugarach en est un. Ouais, Bugarach, et puis il y a un autre endroit en France aussi qui s'est révélé dernièrement. Je ne sais plus, je crois que c'est dans le centre de la France. Dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, vous avez le Puy-de-Dôme aussi. C'est ça, Puy-de-Dôme, ouais. Ouais, Puy-de-Dôme, et en Bretagne aussi. Il y en a à certains endroits, en fait. C'est un maillage, c'est un réseau, en fait. C'est ça. Alors, du coup, on va parler de la lyre, des lyriens. Alors, les lyriens sont des êtres très différents les uns des autres. On retrouve principalement des humanoïdes bienveillants, très évolués spirituellement d'un point de vue technologique également. C'est un vieux peuple galactique. Il faut savoir que ce sont eux, avec les Pléiadiens et les Urmas, qui sont à l'origine de l'Alliance galactique. Leur histoire remonte il y a 1 million d'années, quand l'Empire draconien a pris les commandes du peuple des reptiliens, laissant les Alpha draconiens, car ils n'étaient plus en accord avec eux et leur mode de vie, même si toutefois ils restent alliés. Alors, les draconiens décidèrent de monter une grande armée, une énorme flotte galactique pour attaquer et conquérir le plus de planètes dans un esprit de compétition et prouver aux Alpha reptiliens qu'ils avaient leur place de leader sans Draconis. Ils commencèrent par attaquer la constellation de la Lyre. Devant cet afflux de masse guerrière galactique, les Lyriens, qui étaient une confédération de paix et en sous-nombre, devant cette armée immense qui se présentait à leur porte, choisirent de fuir leur constellation pour aller se réfugier vers des galaxies lointaines afin de vivre dans la paix. C'est ainsi qu'ils arriveront sur la Terre, Mars et d'autres planètes de notre système solaire. Quand ils arrivèrent sur Terre, la planète n'était pas vide, mais habitée par des galactiques que vous connaissez, les Pléiadiens, mais aussi d'autres peuples galactiques bien vivants qui vivaient en Lémurie et sur le continent Mu. Après plusieurs milliers d'années de paix, dans un souci de sécurité, les Pléiadiens et les Lyriens décidèrent
de créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Alliance Galactique. Une alliance qui avait pour but de défendre les peuples galactiques bienveillants pour leur permettre de vivre en paix dans la galaxie. Les reptiliens qui n'avaient pas pu exterminer les Lyriens les ont cherchés dans toute la galaxie. Et comme on dit, quand on cherche, on trouve. Ils sont arrivés sur notre planète. S'en est suivie une guerre terrible qui a eu pour cause la destruction de la Lémurie et qui a chamboulé entièrement notre planète en déplaçant des continents à coups d'armes très avancés et en faisant des millions de morts. Les reptiliens étaient très affaiblis. Fut décidée une trêve. Les Lyriens et Pléiadiens restants décidèrent de profiter de ce moment pour se reformer. Et c'est là qu'interviendront les Urmas. Les Lyriens sont aujourd'hui dispersés dans la galaxie. On peut les retrouver sur des grands vaisseaux-mères avec l'Alliance Galactique, dans notre système solaire, mais aussi sur Sirius, sur Andromède. Certains ont commencé à rebâtir leur ancienne cité sur les planètes de la Lyre. Les femmes et les hommes sont très beaux, très grands. Ils ont une sexualité sacrée. Les enfants sont éduqués dans le respect du tout. Les Lyriens font partie des peuples qui sont à l'origine de notre création. Je dirais que tous les peuples galactiques, ce sont nos frères, pères, mères, sœurs directes. Ils ont à cœur que l'humanité arrive à se défaire de ces liens qui nous entravent. Leur quête personnelle, que le peuple de Gaïa retrouve sa souveraineté. Ayant vécu eux-mêmes sur Gaïa, ils sont extrêmement bienveillants vers les humains. Pour les personnes qu'ils souhaitent, je vous invite à vous connecter à eux, car en plus d'un amour incroyable, on ressent avec eux une proximité familiale. Énormément de personnes ont vécu des vies lyriennes. Membres de premier ordre de l'Alliance Galactique, avec les Urmas et les Pléiadiens et d'autres peuples, ils œuvrent de toute leur énergie pour que les mondes soient libérés de l'emprise reptilienne. C'est un peuple avec une histoire tellement énorme qu'il faudrait un livre entier dédié à eux, tellement il y a d'informations à leur sujet. Magnifique, magnifique. Alors, on va continuer avec les Aviens Bleus, constellation d'Altaïr. Alors, les Aviens Bleus sont un grand peuple galactique, possédant une immense connaissance de l'univers et du nombre. C'est à eux que l'on doit les mathématiques, la numérologie et tout ce qui touche au nombre. Grands de par leur taille, pas loin de 4 mètres, ils ont des têtes d'oiseaux et la peau bleue. Ils sont aussi très grands dans leur énergie. Ce sont des êtres avec une forte puissance, autant spirituelle qu'énergétique. Leur histoire remonte à des milliards d'années. Les Aviens vivaient à cette époque dans une région reculée de la galaxie. C'était un peuple dans la contemplation de la vie et du monde, un peuple qui a très vite su connecter à l'univers, mais aussi à la source. Ils vivaient principalement dans de très grandes cités situées dans les montagnes de leur planète d'origine, maîtres spirituels par excellence, maîtres de la méditation, maîtres du corps, maîtres du nombre. Mais là, une guerre voisine mit un terme à cette tranquillité. Ce n'étaient pas les reptiliens pour une fois, mais les mantis. Et les Aviens se retrouvèrent embarqués dans un conflit qui ne les concernait pas à l'origine. Les retombées de cette guerre détruisirent une partie de leur monde et il fallut le quitter. Après avoir atterri dans la constellation d'Altaïr, ils décidèrent pour leur sécurité de créer une arme. Mais contrairement à beaucoup d'autres races galactiques, cette armée avait vocation à être énergétique. Les Aviens avaient créé une arme à ondes sonores et vibratoires très complexes qui, une fois activée, brouillait tout appareil ennemi dans un rayon de 10 000 km, rendant tout vaisseau ou toute autre arme inutilisable. Leur cité reconstruite se dotèrent d'un bouclier énergétique qui ne pouvait être impacté par cette arme. Dès lors, l'Alliance prit contact avec eux, mais les Aviens ne trouvèrent au départ aucun intérêt à le faire. L'Alliance avec qui que ce soit, car c'était un peuple uni, heureux et qui se méfie des étrangers à cause de leur histoire. Mais avec les guerres d'Orion et les milliards de morts qui découlèrent de cette atroce guerre, le regard des Aviens changea et ils décidèrent de rejoindre l'Alliance. Aujourd'hui, membres permanents de l'Alliance Galactique, ils s'occupent de la flotte galactique. Ce sont eux qui gèrent tout ce qui se passe sur cette flotte, de l'intendance à son déplacement. Ils sont également devenus experts en calcul spatial multidimensionnel et en calcul multivers. Sur la flotte, rien ne se fait sans leur accord. Ils font vraiment partie, vraiment, au même de la Fédération Galactique. C'est un peuple qui a une très, très, très grande influence, en tous les cas, sur les autres peuples galactiques. Déjà, de par leur expérience, qui est beaucoup plus vieille, pour le coup, hein, que les Lyriens ou que les Pléiadiens, etc. C'est un très, très, très vieux peuple. Et ils sont considérés, de ce que j'ai compris, vraiment par des sages. Ils ont même disait qu'ils ont un très grand respect pour les Aviens. Alors, ce sont des êtres qui sont en communication avec beaucoup de canaux sur Terre. Pour cela, ils utilisent des salles de méditation au sein desquelles la vibration et la fréquence énergétique sont puissantes. Ils aiment les humains. Ils ont une grande compassion pour nous. Leur rôle auprès de nous est de nous aider à faire le chemin intérieur de manière à libérer toutes nos peurs
et tout ce qui nous entrave afin que nous prenions connaissance de notre multidimensionnalité et ainsi faciliter notre passage en 5D. Voilà, alors merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que les Aviens, c'est des êtres d'un grand amour. Tous ceux qui ont interagi avec eux ou les ont ressentis le savent. Anatole, est-ce que tu pourrais parler peut-être un petit peu moins vite? Alors, je ne sais pas si tu as beaucoup de peuples à présenter, je crois. Oui, c'est pour ça. Ah, je parle un peu vite, pardon, c'est possible. c'est pas grave. Voilà, et en tout cas, merci. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu partages. Et on apprend même sur de nouveaux peuples, par exemple les Ourkandias, on a hâte de découvrir. Ah là, on va découvrir les Ourkandias. Alors, c'est vrai que... Alors, vu comme ça, ça fait très peluche, tu sais. Ça tombe bien, c'est bien tout mal. Des gros nounours, là, c'est vrai qu'on a envie de se blottir contre eux. Mais voilà, les Ourkandias. Alors, voilà un peuple bien sympathique sur bien des aspects. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à canaliser leur énergie et en apprendre sur eux. Ils sont très joyeux. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui vivent de grands traumas dans des incarnations aiment s'incarner chez eux dans une autre, car c'est un peuple bienveillant où tout le monde est heureux. Alors, ils sont issus d'une galaxie reculée, alliée de très longue date des Urmas, avec qui ils ont des accords commerciaux. Leur monde est divisé en deux parties. Alors, une partie commerciale, ils possèdent énormément de minerais tels que le cuivre, le cobalt, l'or et d'autres métaux inconnus, mais aussi des immenses champs de culture en tout genre. Ils pratiquent donc le commerce, l'échange, le troc, les négociations, mais ça donne aussi au plaisir et font la fête. Leur monde est divisé en quatre planètes, une pour les enfants, une pour les ressources, une pour le commerce et la dernière pour la connaissance. Il est très facile pour eux de se déplacer de planète en planète. Ils ont une grande technologie en téléportation. Alors, une partie dédiée à l'aide à l'autre et à la nature. Ils prennent le don de soi pour venir en aide aux autres. Ils font parallèlement des recherches sur le fonctionnement de l'univers, sur la géométrie sacrée, c'est une vie de connaissance, car il y a bien longtemps, ils ont eu le choix, tout comme nous, de passer dans de nouvelles énergies. Et contrairement à chez nous, où très vite nous sommes jugés sur nos choix, chez eux, c'est une décision personnelle que d'emprunter telle ou telle voie. Ce choix se fait à l'âge adulte, qui est chez eux autour des 50 ans. Ils vivent pas moins de 500 ans en moyenne. Et tout comme les Urmas ressemblent à des félins, les Ourkandias ressemblent à des ursidés. Alors, ils sont très imposants, hein, 5 mètres de haut pour pas loin de 800 kilos. Les enfants ne sont pas élevés en famille. Dès la naissance, ils sont confiés à des personnes qui s'occuperont de les élever pendant 50 ans, en leur apprenant l'histoire de leur peuple, mais aussi ses traditions, la géopolitique galactique, le maniement du pilotage galactique, à se repérer dans l'univers, les différentes factions, savoir se défendre et des notions spirituelles également. C'est tout un apprentissage. S'ils ne font pas partie de l'Alliance galactique lyrienne, ils ont des accords avec elle. Ils ont déjà visité Gaïa à de nombreuses reprises et on se demande souvent pourquoi tant d'animaux qu'on connaît, sont souvent représentés en galactique. Eh bien, c'est très simple. Pour habituer l'homme à leur venue prochaine, les galactiques sont nos géniteurs, mais aussi ceux de beaucoup d'espèces animales. Si un jour vous voyez un galactique avec une tête de lion, vous serez moins choqué que s'il était doté de 3 têtes et de 5 yeux rouges. Les Urmas sont représentés comme des lions, des panthères ou des tigres, les reptiliens comme des serpents, des crocodiles, les Ourkandias comme les ours, ours blancs, les mantis comme des insectes, et je pense qu'on en découvrira bien d'autres par la suite, d'autant plus qu'il y a des milliers d'années, beaucoup d'entre eux possédaient des comptoirs commerciaux et stationports sur Terre avant l'attaque reptilienne. C'est d'ailleurs, ces stationports étaient principalement, on a retrouvé hein, des traces, en Amérique du Sud. Ouais. Et beaucoup d'entre eux travaillent avec le programme spatial secret d'ores et déjà. Hein. Ah oui, 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 énormément, énormément. Ah, ceux-là, je les ai découverts avec toi, Nicolas. Les Nordiques, ouais. Constellation Orion, planète Rigel. Alors, les Nordiques font partie du Conseil galactique. Leur entrée dans l'Alliance est plus tardive que les Lyriens. En effet, pendant l'extension lyrienne, leur monde n'était pas en guerre contre les reptiliens. À vrai dire, ils ont ignoré l'existence. Ils connurent la Grande Guerre d'Orion qui engendrait un tel conflit que même des galaxies plus reculées se retrouvèrent en guerre malgré eux.
Les Nordiques nous ressemblent beaucoup physiquement, bien que plus grands. Les femmes et les hommes sont très beaux. Ils ont énormément influencé la mythologie scandinave. Ils ont à de nombreuses fois tendu la main au gouvernement terrestre afin de faciliter un passage en 5D, mais les gouvernements contrôlés à 95% par les reptiliens n'en avaient pas envie. Les Nordiques ont rencontré le président Eisenhower et c'est un fait que rapporte un grand nombre de personnes, notamment des anciens militaires de l'US Air Force. La clause était que les gouvernements mondiaux désarment les ogives nucléaires en échange d'un passage facilité en 5D. C'est un peuple très intelligent qui désire plus que tout que nous nous libérions de cette oppression mondiale. Alors, les Nordiques vivent par région dans leur monde, c'est-à-dire sur des zones géographiques différentes, comme les pays sur Terre, mais à la différence, il n'y a qu'une seule langue. Tout est centralisé en un tout. Des sages qui dirigent, des gens travaillent dans différents secteurs, biologie, militaire, spirituel, défense, alimentaire, médical, commerce. Ils ont sur leur planète énormément de ressources naturelles qu'ils exploitent dans la bienveillance et dans le partage avec des planètes bienveillantes. Et je voudrais ajouter par rapport à Eisenhower, ça peut paraître dingue cette histoire, mais ça s'est produit en 1956, ce que vous savez, aux États-Unis, quand le président américain voyage, il y a toujours un service de presse qui s'active, parce que le président américain ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre sans que finalement le pays soit au courant. Et à cette époque-là, il était prévu qu'Eisenhower parte en vacances, à Aspen, je crois, un truc comme ça. Et pendant 6 heures, en fait, plus personne ne savait où était le président. Et il aurait atterri sur une base, je crois, dans le Nevada. Et ça, c'est ce qui raconte cette histoire. C'est des personnes qui ont été consignées sur cette base et qu'apparemment, il aurait rencontré des Nordiques. Quoi. Et qu'à l'époque, les Nordiques lui avaient proposé, entre guillemets, un accord, entre guillemets, mais que lui, il aurait refusé. Oui, ça c'est une histoire très connue. En fait, c'est notamment, lui, il était un peu partagé, il a refusé un peu à contre-cœur, à mon ressenti, parce que c'était surtout les militaires, en fait, qui étaient qui après est devenu le complexe militaro-industriel, donc qui après on fait de la rétro-ingénierie sur les vaisseaux crachés, sur les engins crachés, pour après développer des technologies de anti-gravité. Donc ça c'est vrai, hein, c'est vraiment avéré, c'est un fait. Et d'ailleurs, après 1953, quand les États-Unis ont signé un accord avec les gris et les reptiliens, c'était d'abord les gris, je crois, mais qui sont en lien après avec les reptiliens. Il y a eu le démarrage des abductions qui se sont faites en masse. Et il y a eu, ça a commencé au niveau des mutilations de bétail, etc. Et ensuite, ça s'est même manifesté mondialement parce que dans leur état d'esprit, les êtres gris, etc., on parle de Zeta, qui pratiquent les abductions, ce type d'abduction, ils considèrent que comme les États-Unis, c'est le pays le plus puissant, entre guillemets, en termes militaires, etc., qu'ils avaient autorisation à le faire dans le monde entier. Mmh. Après, bon, ça n'exclut pas qu'il y ait eu d'autres accords secrets avec d'autres gouvernements, peut-être en Russie ou ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est de là que sont partis à plus grande échelle les abductions, sachant qu'il y a des abductions aussi des êtres de lumière, mais c'est aussi pour toute autre raison et ça se fait dans des conditions de vibration et d'amour tout à fait différentes. Ouais, absolument, absolument. Ouais, merci pour cette complémentarité. Alors, leur rôle dans l'Alliance est principalement situé dans tout ce qui touche à la logistique. Alors, ils comptent un nombre important de sages qui sont en connexion directe avec plusieurs canaux sur Terre. Ce sont de grands enseignants spirituels. Sur la planète, chaque être a sa place. Il y a un respect de chaque individu. Les Nordiques vivent des relations amoureuses, ils peuvent avoir des enfants, d'autres préfèrent la voie du célibat. Mais il n'y a aucun jugement et aucun ego. C'est pour ça que leur monde est un des plus développés et qu'il fait bon de vivre chez eux, car de tous les galactiques de type humanoïde, c'est une planète de grande stabilité et de bonheur. Je trouve que les Nordiques sont un parfait exemple de ce que la Terre pourrait devenir un jour. Alors, ils ont des animaux en grande quantité.
Ils sont tous sacrés. Ces animaux sont différents de ce qu'on trouve sur Terre. Les Nordiques sont tous végétariens. Ils ne mangent que des légumes ou des fruits qui ont des propriétés en vitamines et énergétiques incroyables. Pour vous donner un exemple, une pomme chez eux les nourrit pour une journée entière. Ils ne dorment que 2 heures par nuit. Ils sont les créateurs de ces combinaisons spatiales que l'on voit sur de nombreuses représentations des galactiques, qui semblent près du corps et qui ont des propriétés de régénérescence énergétique et qui offrent une protection complète à celui qui la porte. Ce sont des êtres galactiques d'exception. Ils représentent pour moi un modèle en tant qu'humain, ce vers quoi nous devrions nous diriger. Il est très facile de vous connecter à eux, demandez-leur de l'aide et vous pourrez ressentir rapidement leur énergie bienveillante et d'amour. Alors, pour cette prochaine présentation, ce n'est pas moi, pour le coup, qui l'ai faite. C'est Ion, que tu connais, Waouh, Nicolas. Magnifique. Voilà, ouais. C'est Ion qui l'a, qui est vraiment une personne qui fait un travail exceptionnel sur les Atlantes, un grand enseignant spirituel sur les Atlantes. Et vous allez donc découvrir, en tous les cas, cette présentation qui vient de lui. Alors, les Atlantes d'Orion sont les descendants du peuple Atlante qui a ascensionné à l'âge d'or de l'Atlantide, vers Mintaka, Alnitak et Alnilam, les 3 étoiles du baudrier d'Orion. Ils ont été les premiers à maîtriser la technologie cristalline et à utiliser l'énergie du cœur sur la Terre pour créer une civilisation harmonieuse et prospère. Ils ont développé une conscience spirituelle élevée et ont établi des contacts avec d'autres races galactiques bienveillantes. Leur ascension a été provoquée par un événement cosmique qui a ouvert un portail interdimensionnel entre la Terre et Orion. Les Atlantes d'Orion ont saisi cette opportunité pour s'élever vers une fréquence vibratoire supérieure et quitter la matrice terrestre. Ils ont emporté avec eux leurs cristaux, leurs temples, et leurs archives, ainsi qu'une partie de leur ADN, qu'ils ont disséminée sur d'autres planètes. Les Atlantes d'Orion sont maintenant des êtres de lumière qui font partie du consortium galactique, une alliance de civilisations avancées qui œuvre pour le bien commun de la création. Ils sont les gardiens de la sagesse atlante et les protecteurs de la Terre. Ils interviennent parfois pour aider l'humanité à s'éveiller, à son potentiel divin et à retrouver son héritage stellaire. Voilà pour les Atlantes d'Orion, qui sont un peuple fabuleux. C'est vrai que c'est fabuleux, les Atlantes d'Orion. Et les enseignements. Ouais, les Atlantes, l'Atlantide, c'était une très grande civilisation. Et à l'âge d'or, ils étaient très élevés en tout niveau, que ce soit spiritualité, sagesse, au niveau des connaissances des sciences spirituelles et très nombreuses choses. C'était rigolo, tu vois, puisque Ion a justement cette capacité, enfin, en tous les cas, pour ceux qui ont eu des vies en Atlantide. Puis le jour où il m'a dit ce que je faisais en Atlantide, ça m'a fait rire. Il me disait que j'étais diplomate et que mon rôle était, si tu veux, de faire le lien entre justement les planètes de la Lyre, les Urmas, trucs comme ça, et l'Atlantide. Tu vois, c'était rigolo. Ah. Super. Je me vois bien là-dedans. Super. Alors, on va parler de Sirius. Hein. Sirius, là, c'est pareil. Hein. Il y a énormément de starcides qui viennent de Sirius. Constellation du Grand Chien, planète Sirius A, Sirius B. Alors, les Siriusiens sont une des races galactiques les plus proches des humains, avec les Pléiadiens et les Urmas. Beaucoup d'entre vous pensent venir de Sirius et quand on connaît l'histoire de Sirius, on comprend mieux notre proximité avec eux. Leur histoire remonte à plusieurs milliards d'années. Sirius a été pendant longtemps, comme nous sur Terre, un peuple avec une évolution graduelle. Ils ont connu une évolution qui est passée par beaucoup de stades. Quand il y a eu l'expansion lyrienne, ils avaient déjà acquis de leur côté une grande maîtrise spirituelle et technologique, au point que leur planète brille tellement dans l'univers qu'il est impossible de ne pas la reconnaître. Ce que nous appelons l'étoile de Sirius est une planète de lumière qui brille tellement que toute approche de la planète pour une race qui n'est pas d'une haute densité énergétique et spirituelle peut la rendre aveugle. Leurs mondes sont très beaux. Ils se composent d'océans, de lacs, de montagnes,
en forme de cristaux bleus qui reflètent la lumière du Soleil. C'est une des planètes les plus lumineuses, que cela soit d'un point de vue énergétique, vibratoire, spirituel et même du paysage. Alors, quand la guerre éclata avec les Urma et les Lyriens, Sirius devint une terre pour les réfugiés, une terre d'accueil, mais aussi un hôpital galactique. On y soignait les soldats, on les aidait à travers des techniques spirituelles à les guérir de leurs traumas. Leurs techniques de soins sont très développées et ils jouissent d'un système de défense très important à base de cristaux. Alors, ce n'est pas un peuple expansionniste ou même de guerriers, mais un peuple très pacifique, membre très important de l'Alliance galactique. Leur rôle est beaucoup plus énergétique, spirituel et médical. Sur Sirius, on retrouve beaucoup d'hommes et de femmes similaires à la Terre, si ce n'est qu'ils sont plus grands que nous. On estime à 3 mètres pour les hommes, 2 mètres pour les femmes. On retrouve souvent des reflets bleus sur leur visage. Ils ont inspiré grandement la culture grecque, qui ressemble beaucoup à leur demeure, à leur ville. Les dieux de l'Olympe sont tirés en partie du conseil des sages qui dirige Sirius. Le peuple des Dogons en Afrique a reçu plusieurs enseignements de Sirius et c'est pour cela que l'origine de l'astrologie vient de Sirius. Alors, je vous invite à vous connecter à eux. Vous allez très vite ressentir de l'amour, de la compassion. Ils ont un effet très thérapeutique sur notre esprit. Ils sont souvent nommés par les canals nos frères et sœurs galactiques car ils ont vraiment ce rôle protecteur envers nous. Ils nous envoient en permanence de l'énergie d'amour. Une majorité de starseeds viennent de Sirius car c'est souvent dans les incarnations sirurgiennes qu'on apprend la compassion du tout, la transmutation, l'énergie de l'univers. C'est une planète école hautement spirituelle. Sirius, qui Nicolas, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment une planète où beaucoup de starseeds viennent de là-bas. Oui, il y a énormément de starseeds qui viennent de là-bas parce que ça fait partie effectivement d'une localisation, d'un apprentissage, d'un entraînement qui permet justement après de porter ces fréquences-là et de venir les incarner sur Terre, de ce que tu as parlé, l'amour, la compassion, la transmutation. Et ensuite, ça fait partie d'un chemin, je pense, principal ou important, en tout cas pour les starseeds, qui après passent aussi, il y en a beaucoup qui passent après par Vénus, pour s'acclimater au système solaire avant de venir sur Terre. En fait. Ouais. C'est pas faux. Alors là, voilà l'image, en tous les cas, on va parler des Urma. Désolé pour le S des Urma, hein. Tout le monde aura vu. Système stellaire de Vega possède des colonies dans toute la galaxie, dont une colonie importante dans le système de Sirius. La photo que vous voyez, c'est exactement la photo qui m'a apparue en flash. Quand j'ai créé cette image, j'étais stupéfait par en fait le réalisme de ce que j'avais vu en flash. Et c'est vraiment cet être qui m'a aidé en tous les cas dans toute l'histoire galactique que j'ai pu canaliser. C'est cet être-là, puisque ce que j'avais vu en flash ressemblait parfaitement à cet être-là. Donc, vous pouvez vraiment voir un lion blanc, hein, avec des reflets bleus. Il est très beau. Ouais, il est très beau. C'est vrai que lui, on a vraiment envie de lui faire des bisous. Hein. Alors, voilà. Alors, attendez, je crois qu'il manque. Je me demande s'il n'y a pas eu un double. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Ah, attendez, je ne sais plus ce que je fais. Bon. Alors, attendez, je crois que je fais une bêtise. Je ne sais pas si ça ne déconne pas. Alors. Voilà, c'est ça. En fait, les draconiens sont rentrés en guerre contre les Urma à l'époque. Parce que les Urma, ce qu'il y a de très intéressant, si vous voulez, c'est que c'était un peuple qui était en 3D pendant longtemps. Et c'était un peuple, c'était un peuple, si vous voulez, très guerrier. La force, la guerre, la valeur. C'était un peuple qui était vraiment basé sur la valeur. Et puis quand les draconiens ont attaqué ont déclenché les guerres lyriennes, les Urma se sont retrouvés en plein dans le conflit. Et c'est très rigolo parce que les Urma, qui étaient un peuple 3D à l'origine, ont aidé des peuples 5D comme les Lyriens ou même les Pléiadiens. Et c'est en cela que je trouve rigolo, c'est que des peuples qui n'avaient pas la même densité ont réussi à faire front commun contre un ennemi commun. Alors, les Draconiens, en sous-effectivité, en voyant cette grande alliance, décidèrent de quitter les territoires conquis. La flotte se divisa en deux parties. La première en force de flotte spatiale militaire, l'autre en défense sur les secteurs récupérés.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une première flotte militaire spatiale qui est partie, entre guillemets, attaquer les draconiens, et l'autre qui s'est mis en défense autour des systèmes qui avaient été libérés de la part des Lyriens et des Pléiadiens. La flotte spatiale militaire de l'Alliance poursuiva les draconiens, leur infligea le plus de pertes possible afin qu'ils ne remontent plus les pieds dans la zone de Vega. La force des Scaramouches, les draconiens décidèrent d'un assaut frontal. La puissance numérique de l'Alliance était écrasante, mais ce combat était surtout voulu pour permettre aux chefs de guerre draconiens de créer une diversion pour rejoindre Draconis, leur monde d'origine. Quand l'Alliance découvrit le subterfuge, il était trop tard. Les seigneurs de guerre draconiens étaient déjà partis pour Draconis, laissant derrière eux leur flotte se faire décimer par l'Alliance. Alors, ce sont des félins bipèdes. On pourrait les voir comme un mélange de races hybrides entre des lions, des tigres et humains. Ils mesurent 3-4 mètres de hauteur pour 500 kilos. Ça fait comme les Urkandias, hein, des sacrés bestiaux. Ils ressemblent, alors leur verso spatial, ça ressemble à un U allongé et poli avec une capacité de distorsion totale supraluminique. L'histoire des Urmas, autrefois, c'était une race de guerriers constamment en guerre pour le contrôle des planètes du secteur de Vega, contre les draconiens qui étaient dans une guerre expansionniste. Les combats étaient violents, mais aucune des races ne pouvait s'en emparer. Pour tirer profit de ce conflit, il fallut attendre l'expansion lyrienne pour que les choses changent. Les Lyriens et les Pléiadiens, dans leur conflit avec les draconiens sur Terre et Tiamat, se rapprochèrent des Urmas et créèrent une alliance qui avait pour but d'exterminer la race draconienne. Alors, ça peut être très étrange quand on parle de guerre comme ça et même d'extermination de la race draconienne. Parce qu'on peut se dire, comment se fait-il que des peuples en 5D ou des peuples hautement bien plus évolués que nous fassent la guerre? Mais ce sont des peuples, effectivement, qui sont beaucoup plus évolués que nous. Mais quand il y a une menace, ils se défendent. Et par rapport à l'Empire draconien, qui est un empire immense, hein, faut le savoir, ils ont été obligés, malheureusement, comme la guerre d'Orion, de se battre et de se défendre. Mais disons que je pense qu'ils avaient... Contrairement à sur Terre, où on peut voir une violence abominable dans nos guerres, je pense qu'il y avait plus de respect, du moins de la part de l'Alliance, envers leurs ennemis. Ouais, c'est-à-dire que moi, je participe à des opérations moi, que je n'appelle pas ça une guerre, j'appelle ça d'aide, justement à ces êtres, qu'ils soient reptiliens ou d'Orion, par exemple. Et en fait, tout est fait pour minimiser au maximum le nombre de pertes, pour qu'il n'y ait pas de perte de vie, qu'il n'y ait pas de... Parce que les êtres de lumière respectent infiniment la vie, ils respectent infiniment les autres, même s'ils sont tout à fait différents ou qu'ils les assaillent, qu'ils les attaquent. Donc, ils essayent de faire un maximum de les capturer, par exemple, pour ensuite le mettre dans des plans de lumière spécifiques et ensuite les aider soit à retourner vers la lumière, soit en fonction du choix de l'âme, soit par exemple recevoir des soins, ou alors aller ailleurs, les délocaliser, ou en fonction de leur vibration. Donc il y a de tas de choses à ce sujet, mais c'est juste pour dire que ça s'envisage de façon tout à fait différente que ce que l'on connaît sur Terre. Oui, c'est vrai. Alors, l'Alliance décida de poursuivre les seigneurs de guerre draconiens. Alors ça, on vous parle, quand je vous parle de ça, ça s'est passé il y a des milliards d'années. Hein. Comme tu dis aujourd'hui, Nicolas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Alliance galactique a des méthodes, en tous les cas, différentes de ce qu'elle pouvait avoir, en tous les cas, à ses débuts. Alors, pensant qu'ils étaient aux abois, mais quand ils arrivèrent dans le secteur de Draconis, ils s'aperçurent que la puissance militaire des draconiens était bien plus puissante qu'ils n'avaient pu l'imaginer. Et même si l'Alliance était puissante, elle n'avait pas le pouvoir d'attaquer le secteur de Draconis, qui était contrôlé à ce moment-là par les Alpha draconiens, les draconiens et les Siakar. La Triple Alliance décida de quitter Draconis pour revenir sur le secteur de Vega pour sécuriser. Les draconiens voulurent se venger, mais cette Triple Alliance galactique fit beaucoup d'écho dans la galaxie, car c'était la première fois que les draconiens perdaient une bataille et d'autres peuples galactiques se mirent à rejoindre l'Alliance galactique. Vu l'ampleur de cette alliance qui grandissait, les draconiens changèrent de tactique pour contrôler des mondes par la manipulation mentale et la corruption plutôt que par la force brute. Là aussi, on voit que finalement, même chez les involutifs, la force brute telle qu'on la connaît a changé. On est passé dans autre chose. Ensuite, les Urmas abandonnèrent peu à peu le côté guerrier pour cet équilibre énergétique, beaucoup plus concentrés sur l'élévation des mondes et développèrent une grande spiritualité.
Maintenant, membre important de l'Alliance Galactique, ils restent une force d'attaque dans l'éventualité d'une attaque, mais ne font plus la guerre comme autrefois. Le monde des Urma, il est très beau, avec de grandes montagnes, des cascades, de grands lacs, de grandes étendues de verdure, des villes avec des dômes en or, de magnifiques ponts en argent. Ils sont gouvernés par un conseil des sages. Alors, de ce que j'en ai vu, moi, dans ce que j'ai vu personnellement, j'en ai vu 9, mais c'est peut-être qu'il y en a plus. Hein. Alors, ils sont très évolués sur le plan spirituel, militaire et technologique. Beaucoup d'humains sont liés à eux parce qu'ils sont là pour permettre à l'humanité d'incarner leur puissance intérieure. Ce sont des êtres d'amour et je dirais principalement de protection. Les Urma, c'est des êtres dans lesquels vous pouvez puiser de la force. Quand moi, je les appelle des grands nounours, c'est parce que je les vois toujours un peu nous prendre dans leurs grands bras poilus, vous voyez, et puis être collé contre eux et vraiment de se sentir bien. C'est vraiment la sécurité, les Urma. La sécurité, la force, c'est oui, la protection. Ils sont très famille. Ils sont très famille, effectivement. Ils ont aussi cet aspect leader, cet aspect d'entreprendre, de mettre les choses en mouvement, en action. C'est très très félin. Après, c'est difficile de décrire avec des mots. Le mieux, c'est vraiment de connecter avec son cœur, avec sa conscience et avec sa vibration pour comprendre tout cela. Et c'est vrai que ça fait partie des grands êtres dans la galaxie, peuples. Alors, on va parler des Pléiadiens maintenant. Constellation du Taureau, planète, plus de 3000 planètes sont dans ce secteur. Parmi elles, Alcyone, Atlas, Electra, Merope, etc. Alors, les Pléiadiens sont une multitude de races galactiques différentes. Contrairement à des Urma ou des Reptiliens, ils ont des formes physiques très différentes. C'est un peuple multiculture, multicroyance, extrêmement tolérant, qui, d'après les canals, ont énormément d'humour, et sont extrêmement bienveillants vers les humains, hein, qu'ils envoient des enseignements spirituels, des encodages, des protocoles énergétiques, des soins, etc., à travers différents channelings. Leur histoire remonte à plusieurs milliards d'années. On peut dire que ce peuple est l'un des premiers peuples galactiques d'importance. Durant de nombreuses années, ils ont traversé les différentes galaxies pour les explorer et établir des colonies. Pardon. Ils possèdent d'énormes vaisseaux qui font la taille d'une planète pour certains, donc il ne leur était pas difficile de se déplacer d'un endroit à un autre. Quand ils découvrirent Gaïa, ils furent subjugués par la beauté de cette planète et décidèrent de créer une colonie permanente qui deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui la Lémurie. Alors, la planète Terre avait déjà été le théâtre de guerre passée, hein, avec les Anunnaki et les Hyperboréens. Les Pléiadiens se divisèrent en deux groupes, l'un sur Terre et l'autre qui continue son exploration de l'univers. C'est quelques milliers d'années plus tard que les Lyriens, dans ce qu'on appellera la grande expansion lyrienne, arriveront sur Terre et rencontreront les Pléiadiens avec qui ils formeront la première alliance galactique. Comme je vous l'ai dit au départ, que c'est une race de multi-peuples différents, vous pouvez retrouver chez les Pléiadiens, certains peuples tels que les Yénas d'Alcyone, les Atlantes d'Atlas, les Mayas, les Taïgétis de Taïgeta, les Sokhs et les Meswaki de Astérope et les Achandes de Merope, avec une multitude de races qui font partie d'une communauté pléiadienne. Et c'est là la grande force de ce peuple, qui a été le premier peuple de l'univers à introduire des races différentes au sein d'une même communauté. Et c'est vrai que c'est bien avec les Pléiadiens. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Nicolas, qui disais, je me souviens, qu'ils avaient beaucoup d'humour, que les contacts que tu avais eus avec eux, qu'ils étaient extrêmement bienveillants. Oui, tout à fait, extrêmement bienveillants. Moi, ça fait partie des premiers qui sont venus m'aider, avec lesquels j'ai connecté, notamment ceux qui ont des formes ressemblant aux êtres humains. Hein. Mmh. Et puis, y a une grande diversité dans les Pléiades. Il y a beaucoup de diversité. Il y a des êtres qui peuvent avoir la peau bleue, qui peuvent être chauves, ou on peut avoir aussi des grands blonds, hein, ce qu'on appelle les nordiques, plus ou moins. Et c'est très varié. Alors, bien sûr, c'est dans différentes dimensions. Il y a même des Pléiadiens qu'on appelle aussi les Pléiadiens de lumière. Et eux, ils sont autour de la 10e dimension.
Et moi-même, bon, j'ai des liens spécifiques avec ces êtres-là. Donc, c'est vraiment, oui, des êtres avec lesquels on peut avancer sur tous ces aspects de la guérison, d'avancer dans son chemin de vie. Ils sont relativement proches de nous quand même, c'est-à-dire que quand on élève ces vibrations, qu'on va vers la guérison, qu'on va vers cet aspect de l'amour inconditionnel, eh bien, on peut rentrer en contact avec eux après. Ouais, c'est des peuples, ben, c'est des peuples qui sont faciles d'accès, je dirais, puisque ils ont vécu des vies sur la Terre. Donc, il y a une proximité, on va dire. Même Oui. si l'avance, bien entendu, qu'elle soit vibratoire, spirituelle ou même technologique, est bien plus importante que nous. Mais je trouve que ce sont des peuples qui sont faciles d'accès quand on se connecte à eux. Alors, on va Oui. parler des Arcturiens. Hein. Un peuple que vous connaissez tous, bien entendu. Alors, les Arthuriens sont l'un des peuples les plus évolués de l'univers, véritables maîtres spirituels, grands guérisseurs et enseignants. C'est un monde indépendant qui aide énormément de peuples de l'univers dans une vibration d'amour absolu. Ils travaillent avec beaucoup de channeling sur Gaïa. Contrairement à beaucoup de races galactiques, les Arthuriens sont des êtres multidimensionnels qui peuvent changer de corps et de forme lorsqu'ils le souhaitent. Leur espérance de vie dépasse les 2000 ans. Il est assez difficile pour nous sur Terre de concevoir leur façon de vivre car ils évoluent dans des densités très élevées, 20, 30e dimension. Les Arthuriens vivent dans une seule et même communauté. Il n'y a pas de sexe chez eux, ni cette conception d'hommes et de femmes, car ils sont les deux à la fois. Leurs habitats sont d'immenses temples de formes géométriques très variées, car ils utilisent tout ce qui est symbole, car pour eux, énergétiquement, cela correspond à des énergies très puissantes. Leur monde est à la fois éthérique, énergétique, il existe des couleurs que nous ne connaissons pas sur Terre, bien des choses dans leur univers nous dépasseraient. Leur rôle spirituel vis-à-vis de l'humain, comme d'autres peuples de la galaxie, est de nous permettre d'incarner notre multidimensionnalité et de vivre cette connexion corps-âme et source. Ils aident principalement des personnes à guérir de leurs maux physiques et psychiques. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui travaillent dans l'énergétique et même dans le soin font appel aux Arthuriens. Vous connecter à eux vous apportera non seulement beaucoup d'amour, mais vous permettra aussi de reconnecter à votre part multidimensionnelle. C'est un des peuples de l'Alliance galactique le plus sage, mais aussi ceux qui sont les plus puissants en amour-vibration. Ils sont capables de canaliser des peuples de 80e dimension et sont des membres de la Fédération galactique. En fait, les Arthuriens, de ce que j'ai compris, sont dans l'Alliance galactique, c'est on va dire, un peu le sommet de la pyramide. Mais il existe des peuples dans l'univers qui sont encore plus évolués que les Arthuriens. Mais notre cerveau humain aurait, comme le dernier peuple que j'ai mis dans cette présentation, que vous verrez tout à l'heure, c'est-à-dire les Arthuriens sont vraiment, si vous voulez, le pont entre, on va dire, des êtres, oui, de cinquième, dixième, même de troisième dimension, et ont aussi cette faculté d'aller se connecter aux dimensions 80e, centième dimension, vraiment des dimensions extrêmement puissantes dont notre cerveau humain. On Qui aurait beaucoup de dépasse un mal tout à. Voilà. Et c'est vraiment le pont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment. C'est une évolution spirituelle qui leur donne accès. Ils ont accès aux deux. C'est ça qui est rigolo. Voilà. Ouais. Et je les trouve super. Puis, comme on peut voir sur l'image, ils ont des têtes sympathiques. Alors oui, après ça c'est Midjourney qui a fait C'est ça. ça. Bon, moi je connais pas qui ont cette forme-là, mais effectivement, par contre, par rapport aux yeux, c'est vrai que quand les êtres sont très évolués, dans leurs yeux, on voit l'univers en fait. C'est Donc ça. ça c'est le cas, par exemple, de ceux de Polaris aussi, certains. Donc il y a des êtres, ouais, c'est très varié aussi. Il y a des êtres qui sont mammaliens, donc c'est des humanoïdes un peu chevaux, si vous voulez. Ah oui. Du côté d'Arcturus, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont, il y a les Arcturiens blancs aussi, qui ont un grand cou comme ça et voilà une grosse tête, un Ah corps fin.
un corps fin. Il y en a qui sont dans les dimensions encore plus élevées, à la 9e, 10e, où là, c'est très fluide. Bon, il se manifeste plus ou moins par la pensée. Hein, par la, il se manifeste par la pensée. C'est une forme d'être qui se manifeste comme ça par la pensée et qui font partie, en tout cas, des êtres les plus évolués du secteur local. Parce qu'Arcturus, c'est pas loin. C'est très proche. Quand je dis c'est pas loin, c'est quelques millions d'années, milliers, quelques années-lumière, je sais plus. Mais ça, c'est en termes de distance, c'est rien en fait. C'est vraiment des voisins en fait. Mmh. Et ils ont en charge effectivement, à ma connaissance, ils chapeautent vraiment l'évolution de ce secteur de la galaxie. Ce que j'ai toujours trouvé rigolo sur cette image, si tu veux, de ça, c'est quand vous regardez le soleil qui se trouve au milieu du front de l'image, vous avez l'impression que les étoiles bougent autour, ou même qu'on, ça fait comme un effet optique, si tu veux, mais qui m'a toujours fait rire sur cette image. J'ai l'impression que ça bouge, en fait. Ça m'a toujours fait cet effet, tu sais, comme si tout est en mouvement, en fait. C'est ça que ouais. j'aime avec. Oui, et c'est vrai qu'elles sont très multidimensionnelles, des grands, très grands guérisseurs, des très grands enseignants au niveau du soin, et ils aiment à dire qu'ils donnent la grâce. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est eux qui le disent ou d'autres peuples, mais ils donnent la grâce quand ils donnent la guérison, parce que c'est un grand service que de donner, bien sûr, la guérison pour permettre au peuple de s'élever, d'ascensionner sur leur chemin de lumière. Mmh. Ouais. Alors, on va parler des Vénusiens, planète Vénus. Alors, c'est un peuple d'une grande beauté, vivant dans la contemplation de l'amour et de l'autre. Chaque individu vit uniquement dans l'instant présent et dans sa présence, je suis. Le système de Vénus est semblable sur certains points à celui de Gaïa. Les couples peuvent vivre une vie amoureuse, ensemble, et avoir des enfants, créer un foyer. Cela dit, lorsque les bébés sont dans le ventre de la mère, ils sont en connexion directe d'âme à âme. Les enfants ont une grande importance sur Vénus. C'est un monde d'art, de musique, de peinture, de chants sacrés. Toute la mythologie grecque a été inspirée par eux en grande partie. Leur maison, leur culture se rapprochent énormément de la Grèce antique, sans la guerre bien évidemment. Ils n'ont pas de système de défense ni d'attaque. Contrairement à d'autres races galactiques, ils sont protégés par un contingent militaire de l'Alliance galactique et font partie de l'Alliance galactique en tant qu'observateurs et conseillers. Ils bénéficient bien sûr d'une grande avance technologique sur nous. Sur leur planète, ils sont gouvernés et guidés par des prêtresses qui ont des facultés psychiques et spirituelles exceptionnelles. C'est un très long parcours initiatique pour devenir une prêtresse. On pourrait comparer cette initiation à celle que suivent certains lamas, ou du moins de grands sages, au Tibet. Leur planète visible depuis le ciel terrestre font des Vénusiens un peuple très proche de nous sur bien des aspects. Ils sont passés en 5D plus tard que d'autres peuples de l'Alliance galactique, mais ont toujours, malgré tout cela, vécu de manière pacifique. Des grands compositeurs, peintres et artistes de notre monde ont en grande partie été influencés par des êtres de Vénus. Alors là, je pense, hein, quand on parle de Mozart, quand on parle de, je sais pas, Léonard de Vinci ou autre, je pense que, de ce que j'ai compris, surtout à cette époque 17e, 18e, 19e, vraiment tous les artistes de cette époque-là, parce que à travers leur œuvre, en tous les cas, ou à travers ce qu'ils ont voulu, en tous les cas, enseigner, il y a eu énormément d'influence de la part des Vénusiens. J'ai pas, par contre, ils m'ont dit que pour Joule, c'était pas les Vénusiens. C'était pas eux. Leur monde est sublime, bien que protégé de manière factice par des tempêtes de gaz. Il ne s'agit que d'un effet illusoire, puisque quand vous regardez Vénus sur Internet, on vous montre une planète avec des effets, des tempêtes de gaz, des tempêtes terribles. Mais c'est un effet illusoire qui est montré d'un œil extérieur, mais sur leur planète, il n'en est rien. Leur monde est sublime, très elfique. Les hommes et les femmes sont d'une très grande beauté. Personne ne vieillit physiquement sur Vénus. Bien sûr, la mort existe et intervient au bout de plusieurs centaines d'années. Elle est cependant vécue comme une fête. Chaque événement de la vie d'un être est célébré en famille ou dans une communauté. L'amour est le mot le plus simple pour les décrire. Dans leur société, tout est fait dans l'harmonie. On pourrait se croire au jardin d'Éden. Les personnes qui se sont déjà incarnées sur Vénus sont souvent d'une extrême bienveillance, tournées vers l'autre sans rien attendre en retour, plein d'amour, de joie et de compassion.
Le jugement ne fait pas partie de leur vocabulaire. Tout est expérience et tout est juste ici et maintenant. Les Vénusiens aident les humains à se reconnecter à leur chakra cœur et ainsi harmoniser tout leur être. C'est pour cela qu'on assimile bien souvent Vénus à la planète de l'amour. Ah oui, c'est vraiment un peuple magnifique, les Vénusiens, et justement qui sont vraiment parmi ceux qui ont maintenu et gardé l'amour sur Terre, notamment à travers Shambhala et le régent planétaire Sanat Kumara et sa flamme jumelle Lady Vénus, qui, à un moment donné, quand il y a eu la chute de conscience sur Terre, eh bien, ils ont maintenu contre vents et marées cette puissance d'amour sur Terre. Et rien que pour ça, gratitude infinie à eux. Et alors oui, ils œuvrent aussi sur ce qui est la guérison du féminin sacré, par exemple, et des êtres que on pourrait vraiment qualifier de déesses qui évoluent sur Vénus. Et j'ai d'ailleurs moi-même des liens très particuliers, profonds, spécifiques et liens d'amour importants avec Vénus. Alors, présentation du peuple galactique, les Andromédiens, constellation d'Andromède. Alors, les Andromédiens font partie, avec les Lyriens, de nos frères galactiques directs. Arrivés plus tardivement dans l'Alliance galactique, ils sont aujourd'hui des membres de premier ordre de cette alliance avec des prises en décision importantes. Alors, les Andromédiens nous ressemblent beaucoup dans notre morphologie, dans notre taille et notre poids, bien qu'ils aient une peau turquoise et verte et n'ont pas de cheveux. Ils portent de très belles tenues et de très beaux bijoux. Leur sexualité est semblable à la nôtre et les naissances se font de la même manière que les nôtres. Par contre, leur expérience de vie est énorme, entre 500 et 1000 ans. Ils vivent dans un environnement totalement sain à tous les niveaux. Leur monde est tellement pur et leur hygiène de vie tellement saine qu'ils ont des corps énergétiques totalement épurés de toute nuisance. Alors, leur histoire remonte il y a plusieurs millions d'années. Les Andromédiens ont pendant longtemps vécu une existence en 3D, à savoir que le pouvoir et la richesse étaient des notions dominantes sur leur planète. Leur constellation était divisée en différentes régions, tout comme la Terre, tenues par différents gouvernements. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des pays, c'était vraiment très, très similaire à ce qu'on vit, nous, actuellement sur la Terre. Les classes sociales étaient très marquées, avec une scission des riches et des pauvres. Ils utilisaient une monnaie à base d'un minerai très précieux chez eux. La spiritualité, bien que présente à cette époque, était pourtant très peu utilisée. La plupart des personnes trouvées dans des énergies 3D et l'évolution personnelle étaient bien souvent mises en second plan. Ce qui va changer la donne fut non pas la guerre, comme ce fut le cas pour beaucoup de peuples, mais des éruptions solaires et de très grande intensité qui créèrent de nombreux dégâts biologiques sur leur planète. L'environnement se mit au fil du temps à changer, rendant la planète instable avec des tornades, des tempêtes, des feux de forêt, des énormes tsunamis qui ravagèrent une grande partie de leur planète, obligeant dans ces conditions extrêmes les Andromédiens, à l'époque très individualistes, à se serrer les coudes, à vivre en communauté, à apprendre à partager pour les survivants le peu de ressources à disposition. Il y eut un énorme plan de solidarité qui se créa après ce cataclysme. Quand cette période se termina, l'ancien modèle Andromédia s'effondra pour créer une communauté basée sur l'entraide, sur le partage, sur l'élévation, non pas individuelle, mais de tout un peuple. Il passa rapidement d'une énergie 3D à une énergie 5D. Leur technologie se modifia pour faire face à diverses intempéries ou bien éventuellement d'éventuelles catastrophes. Ils inventèrent un anneau qui ceintura toute leur planète et un système de rayons répulseurs qui avait le pouvoir de venir contrer toute éruption solaire et météorites qui pouvaient impacter leur planète. Ils créèrent également un bouclier qui, grâce à des cristaux, empêchait toute nouvelle intempérie qui aurait pu causer une destruction ou d'énormes dégâts. Leur premier contact galactique se fit avec l'Alliance qui envoya aux quatre coins de l'univers des missions de reconnaissance pour sécuriser les différents systèmes de l'univers. Quand ils le trouvèrent nez à nez avec les Andromédiens, il se produisit quelque chose de cocasse. Les Andromédiens, qui n'avaient aucune connaissance qu'il existait d'autres mondes galactiques et voyant un vaisseau s'approcher de leur planète, se mirent à paniquer et tentèrent de le repousser avec leur technologie. Le contact ne se fit que grâce à la grande diplomatie pléiadienne et lyrienne. Suite à cela, une ambassade de l'Alliance fut installée dans la cité pour apprivoiser, en quelque sorte,
les Andromédiens très craintifs de ces étrangers venus de l'espace. Il fallut pas loin de 100 ans pour que les Andromédiens, très méfiants de tout ce qui venait de l'espace, commencent à faire confiance à ces nouveaux venus. Petit à petit, des liens se créèrent et ils finirent par rejoindre l'Alliance Galactique. Aujourd'hui, leur rôle n'est en aucun cas militaire. Ils sont présents sur 120 planètes gouvernées par un conseil de sages. Ils utilisent leur technologie pour limiter les impacts solaires dans notre système à nous. Il faut le savoir. Hein. Puisqu'il faut quand même savoir qu'il existe hein, des énormes éruptions solaires qui devraient logiquement, on aurait déjà dû avoir de grandes, grandes catastrophes à cause de ça. Et les Andromédiens sont là apparemment pour essayer de faire en sorte qu'on ait le moins d'impact possible. Leur fonction au sein de l'Alliance Galactique est de contrôler les énergies internes de l'être humain et grâce à une technologie avancée d'éviter les destructions de masse de notre planète et des autres systèmes solaires qui la composent. Ils dépolluent également nos énergies de tout ce qui peut nous freiner nous et nous ramener notre mental et à nos peurs. Pour les Andromédiens, si tu veux rajouter quelque chose, Nicolas ? Oui, merci. Oui, effectivement, c'est un grand peuple. Ils sont aussi en lien et travaillent avec les programmes spatiaux secrets. Alors, il y a des peuples dans bien différentes dimensions aussi, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que la réalité, elle est aussi multidimensionnelle. Alors, on peut très bien avoir des peuples en cinquième dimension, sixième ou autre, que l'on, entre guillemets, identifie en tant que nous, en tant qu'être humain, comme provenant d'Arcturus ou autre, oui. Même si après, dans les plans de lumière, bah, ils sont partout et nulle part, ils sont à plusieurs endroits en même temps, etc. Donc, c'est tout à fait différent, mais c'est vrai que il y a des êtres très variés, il peut y avoir des êtres bleus, etc. Et c'est un grand peuple aussi qui aide beaucoup la Terre et ils étaient présents sur Terre il y a longtemps. Et c'est très juste ce que tu dis, Nicolas. C'est vrai que je pense que ces présentations et puis tu sais, ces contacts qu'on a aujourd'hui avec les galactiques, c'est aussi pour permettre à l'humanité, puisque c'est relativement jeune, hein, finalement, enfin, du moins qu'on puisse en parler, tu vois, ouvertement, sans être pris pour un barge, entre guillemets. Je pense que on est dans toute une initiation de découverte vis-à-vis d'eux. Et je pense que, comme tu dis, dans plusieurs années, ça sera différent. On aura une conscience plus multidimensionnelle de certains peuples. Je pense qu'on essaye de nous montrer, parce que nous, des fois, on va mettre avec nos mots, notre langue. Par exemple, là, on parle des Alpha Centauriens, mais peut-être dans leur planète, ça s'appelle pas forcément les Alpha Centauriens. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Voilà. Oui. C'est peut-être que même nous, on ne nous appelle pas les Terriens, on nous appelle peut-être, je sais pas, les Blancs. Oui, oui. Non, ouais, c'est vrai qu'ils ont d'autres appellations. Notre dialecte, voilà. Oui, par exemple, les Alpha Centauriens, il y a différents peuples. Il peut y avoir les Apuniens, par exemple. Ah oui. Ben voilà, ben voilà. Et c'est pour ça que, mais c'est pour faire en tous les cas une présentation globale et générale. Et bien entendu, tu fais bien de le préciser. Il existe bien d'autres peuples au sein même d'une même communauté qui sont différents. On l'a vu d'ailleurs chez ouais. Les Pléiadiens. Alors là, donc les Alpha Centauriens, constellation du Centaure. Alors les Alpha Centauriens étaient un peuple en grande partie pacifiste. Ils existaient sur leur monde des champs de culture de toutes sortes, des mines avec des pierres précieuses, de l'or, du cuivre, des saphirs, de grandes prairies, d'immenses champs de fleurs. Leur planète comporte beaucoup de collines, de ruisseaux. C'est un monde très peu exploité d'un point de vue ressources naturelles. Mais il y a 10 000 ans, ce peuple fut attaqué par l'Empire draconien, qui avait besoin de ressources pour se rééquiper pour leur conquête. Lorsqu'ils découvrirent leur monde, une bataille très courte s'ensuivit, car les Alpha Draconiens n'avaient aucun moyen de défense. Bien qu'évolués dans certains aspects, ce n'était en rien un peuple de guerriers, ni même avec une technologie conçue pour la guerre ou la défense. Les reptiliens, qui n'avaient pas envie de jouer les fermiers, réduirent en esclavage toute la planète des Alpha Centauriens. Des mines de cuivre et d'or, matière très prisée de certaines espèces galactiques, furent construites. Les Alpha Centauriens sont morts par milliers dans des camps de travail. Les femmes étaient abusées, violées, vendues comme esclaves à d'autres peuples involutifs. Les hommes, quant à eux, étaient sévèrement punis, humiliés, tués. Et bien sûr, toute cette haine de la part des reptiliens créa des révoltes. Mais elles n'étaient pas coordonnées. Dans leur révolte, ils furent matés et extrêmement réprimés. Un jour, la flotte galactique qui vaudait dans le système tomba sur les reptiliens
reptiliens et une grosse bataille s'en suivit. Les reptiliens subirent à cette époque une de leurs plus grosses défaites, car la totalité de leur armée fut détruite, ainsi que leur flotte entière. Les Alphins centauriens furent libérés par les alliances qui les aida à se reconstruire. Aujourd'hui, les Alpha Centauriens font partie intégrante de l'Alliance Galactique. Ils sont spécialisés dans tout ce qui touche à la biologie, la science et la recherche. Leur monde fut modernisé. Ils possèdent aujourd'hui une armée de défense sur leur planète et une flotte conséquente qui fait blocus à toute entrée intrusive. Les femmes et les hommes sont égalitaires. Ils ont une sexualité comme nous. Ils ont de ce côté très terre-à-terre, leur ancrage est la base de tout. Marqués par ces années de guerre et d'esclavage, et de ce que j'ai pu capter d'eux, ils sont encore particulièrement marqués par leur passé et œuvrent avec l'Alliance à libérer totalement tous les peuples de la galaxie de l'oppression reptilienne. Ça va même plus loin puisque c'est un peuple aussi qui est très axé à la justice divine, la justice des peuples, et ils font office aussi au sein de l'Alliance un peu de police, un peu l'équivalent en tous les cas, de police pour vraiment... en fait, je pense qu'ils veulent vraiment être dans l'équité absolue par rapport à ce qui leur est arrivé, en tous les cas. Oui, ça me fait penser ce que tu as raconté aussi à ce qui est advenu sur Terre, parce que les humains ont aussi subi des choses difficiles, très difficiles, notamment quand il y a un groupe des Anunnaki. Oui. A réduit l'humanité, les êtres humains, à deux brins d'ADN pour les exploiter aussi, la même chose, dans des mines, comme travailleurs, esclaves et compagnie, quoi, ou comme nourriture. C'est exactement ça, ouais. C'est très similaire à ce qui s'est passé, oui, avec nous. Et je crois que c'est pour ça, parce que je crois qu'il y a des constellations comme ça qui ne sont pas très loin. Et c'est des peuples qui moi, ce que je trouve terrible, si tu veux, avec l'Empire draconien, c'est qu'ils se sont attaqués, si tu veux, à des peuples qui n'avaient rien fait, qui vivaient d'une manière pacifiste, qui n'avaient d'ailleurs pas forcément une connaissance de l'univers et qui se sont fait massacrer, quoi. Et en fait, on peut se dire parfois, nous, en tant qu'humains, on se plaint beaucoup de ce qui nous arrive sur Terre, parce qu'aujourd'hui, les draconiens ont changé de méthode. C'est plus les grandes batailles, c'est la perversité, en tous les cas, et la manipulation dans toute sa splendeur. Et on le voit aujourd'hui, tous les jours, dans nos propres vies, on en subit un petit peu les conséquences. Mais on n'a pas subi des grandes guerres comme a pu subir Orion, etc. Et puis, on est vachement aidé aujourd'hui. On est vachement aidé en énergie par, justement, l'Alliance. On est vachement aidé par tous ces peuples. Chose que, malheureusement, pour en tous les cas, les alphas centauriens n'ont pas été aussi aidés que nous à cette époque-là. Bon, alors, je voulais juste te dire qu'il y a quand même eu des grandes choses très difficiles dans le système solaire, comme l'explosion de Mélona, la planète qui forme la ceinture d'astéroïdes. Il y a eu des guerres du temps de l'Atlantide, et puis tu l'as évoqué avant. Donc, il y a eu beaucoup de choses très, très difficiles aussi dans le système solaire. Le système solaire n'a pas du tout été épargné par. Ah non, par pas ça. Du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, on va parler d'un peuple qui te parle, Nicolas, les Tocétiens. Ah oui, oui. Planète Toceti, constellation la baleine. Alors physiquement, vous voyez, similaire à nous, à peu près, au niveau de la taille. Alors, les Tocétiens sont en guerre contre les races involutives depuis des millions d'années. C'est un peuple de guerriers aguerris, ils se battent pour la liberté des peuples. Ils travaillent depuis longtemps avec les Pléiadiens, qui les ont aidés à leur fournir d'énormes systèmes de défense. Les Tocétiens se rapprochent des humains dans leurs vibrations, bien qu'ils soient en 5D. C'est le peuple galactique le plus proche de nous dans leurs vibrations et dans leur façon de vivre. Beaucoup de signaux radio captés sur Terre viennent en grande partie de Toceti. Étant plus proche de nous en vibration, il est plus facile pour nous de les capter que d'autres races galactiques. Ils font partie de l'Alliance galactique, mais leur rôle est beaucoup plus militaire que spirituel, bien que cette dernière notion ne leur soit pas inconnue, loin de là. Mais leur rôle est plus de patrouiller, de surveiller. C'est un peu des forces spéciales galactiques, on va dire ça comme ça. Ce sont des experts en renseignement, dissimulation, dotés d'une nouille et d'un odorat hyper développés. Leur rôle vis-à-vis de nous est de lever le voile sur la corruption des élites et que les humains retrouvent leur souveraineté et qu'ils ne soient plus dans la manipulation mentale. Ils sont aussi experts vraiment dans la justice, et pas dans la justice, un peu dans la clairvoyance, pour que finalement on soit qu'on se reconnecte à notre ressenti. Voilà, vous voyez qu'on
au niveau de notre ressenti, qu'on se reconnecte à notre âme, à notre ressenti. C'est vraiment quelque chose qu'ils veulent pour qu'on puisse voir clair, qu'on arrête en fait de s'aveugler sur le monde, sur tous les mensonges qu'on entend, que chaque humain puisse penser par lui-même. Tu veux rajouter sur les tocétiens, parce que je sais que tu en connais je sais qu'il y a des oursidés qui sont aussi tocétiens. Il y a beaucoup de sarcides aussi qui ont des fréquences tocétiennes. Et il y en a beaucoup aussi qui œuvrent au sein du programme spatial secret, pour la divulgation notamment. Tout ce qui est divulgation du programme spatial secret, il y a beaucoup d'êtres qui ont des fréquences d'âme tocétiennes. Mais ils sont assez poussés technologiquement, les tocétiens. Oui, il y en a aussi, c'est pareil, après, il y en a dans différentes dimensions, il y en a qui travaillent avec les Arcturiens, voilà, c'est très varié, c'est super de prendre connaissance de tout ça. Alors là, on va parler des Végaliens. Alors, les Végaliens sont des explorateurs de planètes, munis de grands vaisseaux complètement autonomes, capables de faire des voyages de plus de centaines d'années avant de ravitailler. Ils explorent les mondes inconnus, établissant au passage des comptoirs et de petites colonies. Ce sont des commerçants, car même si l'argent est propre à la Terre, il existe d'autres formes de commerce dans l'univers. C'est un peuple bienveillant dans l'ensemble, mais qui peut avoir des côtés de guerriers. Ils n'hésitent pas à entrer en conflit quand leurs intérêts personnels sont menacés. Ils ont des accords avec l'Alliance Galactique, très proches des Lyriens, mais ils sont plus indépendants dans leur manière de fonctionner. C'est un peuple ayant une grande puissance technologique et militaire, qui a également énormément de ressources à sa disposition. En guerre avec les mercenaires d'Arcanias et les Masturiens, ça c'est deux adresses galactiques involutives que j'avais captées, ils fournissent à l'Alliance Galactique des ressources logistiques dans leur conflit contre les reptiliens. Les Végaliens nous ressemblent beaucoup, tout comme les Lyriens. Ils font partie des membres fondateurs de notre création. Les hommes sont très grands, les femmes aussi. Ils ont le crâne un peu plus allongé que nous, la peau bleue. Ils ont un système de reproduction similaire aux terriens. Leur gouvernement est renouvelé tous les 100 ans par des sortes de gouverneurs qui dirigent les systèmes contrôlés par les Végaliens. Ils ont visité la Terre plusieurs fois et ont énormément influencé les cultures de l'Inde et d'Asie par leur présence. On peut retrouver des écrits de leur présence sur ces continents. Ils ont des grandes connaissances spirituelles, mais contrairement à d'autres peuples galactiques qu'ils pratiquent à grande échelle, chez eux, la spiritualité est réservée à des initiés qui la pratiquent afin d'en découvrir les vertus. Chacun a un rôle bien défini, spirituel, scientifique, militaire, explorateur, biologie, médical, etc. Ils ont des connaissances dans divers domaines. C'est un peuple d'explorateurs à la fois de l'univers, mais aussi des consciences, et du fonctionnement des différentes races galactiques et espèces qui peuplent les différentes planètes. Ils ont de grands érudits et l'équivalent chez nous de grands historiens qui stockent des informations sur l'univers. Là, on parle des Prosoniens, origine constellation du petit chien, planète Procyon. Les Prosoniens est l'un des peuples qui, après la grande expansion lyrienne, se sont retrouvés engagés dans le conflit de la première alliance galactique contre les reptiliens. À l'origine, ce sont des êtres pacifiques. Ils vivaient sur leur planète d'une manière paisible, en favorisant le commerce avec des autres mondes. Peuple spirituel, peuple très porté sur les connaissances scientifiques, ils étaient connus pour leur générosité et leur accueil. D'ailleurs, beaucoup de technologies que la Terre a reçues ces 50 dernières années viennent en partie des Prosoniens. À savoir que les Prosoniens ne sont pas très nombreux par rapport à d'autres races galactiques. Ils ont quelques grandes cités, mais elles ne sont pas étendues sur leur planète, préférant l'union à la dispersion. Ils vivent dans de grandes cités, qui sont en réalité d'énormes forteresses qui ne sont pas visibles depuis le ciel. Ce sont des maîtres du camouflage et de la discrétion. Pendant longtemps, ils ont voulu rester neutres dans le conflit galactique, mais quand la guerre est arrivée à leur porte, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se battre pour garder leur liberté. Ils mirent au point une arme à ondes supersoniques qui avait la capacité de détruire de grands vaisseaux-mères d'un seul tir depuis le sol de leur planète, ce qui pour les reptiliens était une grande menace. Cette arme fut par la suite donnée à tous les mondes libres qui voulaient se défendre contre toute attaque extérieure. En effet, les Prosoniens ont une grande avancée scientifique. Ils font partie de l'Alliance Galactique et jouent un rôle énorme dans le développement scientifique, militaire et technologique. Plus scientifiques que militaires, bien qu'il existe des contingents militaires chez eux, comme vous le verrez plus loin.
Leur rôle principal est la recherche technologique pour l'Alliance Galactique. Il y a des sources qui disent qu'ils auraient détruit une base souterraine américaine en 2011 à Richmond, en Virginie, à coups de détonations sonores souterraines, détruisant tout un complexe américain de recherche reptilo-humaine et 5 bases sous-marines reptiliennes en 2012. Le but étant de détruire le plus de bases possibles reptiliennes sur Terre, sachant que l'une des plus grosses se trouverait en Suisse, sous l'emplacement du CERN à la frontière franco-suisse. Ce sont des membres de premier plan de l'Alliance Galactique. Alors, j'ai compris, leur but, c'est vraiment de faire sauter toutes les cavernes, en fait, on va dire, toutes les cavernes, tout ce qui est, toutes les grandes concentrations reptiliennes sur Terre pour vraiment, en fait, entre guillemets, les étrangler et réduire la menace que les reptiliens peuvent, du moins, représenter pour nous en tant qu'humains. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont fait ça, moi je peux en témoigner, j'ai vu, j'ai expérimenté ces technologies soniques, même y compris au sein de mon propre corps. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi des reptiliens bienveillants qui travaillent avec eux au niveau de Procyonien, au niveau du système de Procyon. Et moi, les êtres avec qui j'ai beaucoup échangé au niveau de Procyon, c'était des êtres effectivement grands et avec un regard très perçant. Et leur caractéristique que j'ai trouvée, c'est qu'ils ont un mental très, très, très puissant. Ils ont vraiment une capacité psychique de focalisation mentale très puissante. Ouais. Oui, c'est bien que tu le dises, Nicolas, que oui, il y a des reptiliens. Alors, c'est vrai qu'on parle, quand on parle des mauvais reptiliens, on parle de l'Empire draconien, mais il existe des reptiliens qui sont très bien. Sur Sirius, il en existe sur Orion, il en existe des biens. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais bon, ce dont on parle, c'est l'Empire draconien, quoi, principalement. Oui, tout à fait. Ben, je n'ai même pas fait exprès de le dire ça, mais c'est vrai que c'est la forme d'un être, qu'elle soit reptilienne ou même nordique, parce qu'il y a des nordiques aussi négatifs. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment la vibration du cœur qui compte, c'est l'amour, la bienveillance, la lumière que dégage l'être. Exactement, ouais, tu as parfaitement résumé. Alors, on va parler des aquafariens. Les aquafariens est un peuple génial sur bien des aspects. Tout d'abord, ce sont des êtres avec une sensibilité et un amour débordant. On les retrouve dans la plupart des planètes avec des mers et océans. Peuple très évolué, avec une connexion spirituelle liée à l'énergétique. Ils ont des formes très différentes, une multitude d'espèces différentes. Les baleines, les dauphins ont une connexion directe avec eux. Hélas, l'homme a décidé de les exterminer sous couvert de pêche illégale. Et ça va beaucoup plus loin que ça, car ils apportent à notre planète une connexion très spirituelle à tout humain qui veut se connecter avec eux. Les reptiliens étant parfaitement au courant de cela, autorisent leur extermination. Les aquafariens sont un très vieux peuple. Ils ont vécu pendant des milliers d'années à sillonner les mers. Ils ont des grandes cités sur la mer, car ils peuvent respirer l'air terrestre et respirer sous la mer. À la différence des Terinamis, des involutifs aquatiques qui, eux, ne peuvent être que dans l'eau. Leur rôle est la connexion des énergies marines. Ils ont des connexions très fortes avec des éléments d'eau, style ondine, dans un respect énorme de l'environnement des mondes. Ils travaillent beaucoup dans les énergies. C'est un peuple pacifiste. Même s'ils font partie de l'Alliance Galactique, ils ne participent à aucune action hostile. Ils mangent uniquement des plantes aquatiques, ils ont une technologie avancée, l'air est si pur sur leur planète, l'océan est si clair chez eux, les arbres et les plantes sont magnifiques. Ils ont cependant au-dessus des zones habitées un énorme bouclier de protection. Certains sages chez eux peuvent contrôler les éléments d'eau et ils se servent vraiment de l'énergie des éléments dans leur quotidien. Les hommes et les femmes sont égaux, il n'y a pas de dirigeant chez eux. Chacun fait ce qu'il a à faire pour le bien de sa communauté. Ils aiment l'art sous toutes ses formes. C'est un peuple où chacun est libre d'exprimer qui il est dans les respects de l'autre et de la communauté. C'est un peuple que vous pouvez facilement contacter car nous sommes constitués principalement d'eau. Cet élément permettant un lien direct avec eux, vous verrez, ils sont pleins d'amour et pleins de joie. Et c'est vraiment un peuple, ceux-là, je les ai connectés directement, c'est un peuple exceptionnel. Et
Vous savez, il me faut un peu penser, vous savez, quand vous avez votre chien, votre animal de compagnie, votre chat ou votre chien qui vous regarde, vous savez, avec des yeux pleins de compassion et pleins d'amour, eh bien, on retrouve vraiment ça chez eux. Et ils sont, et même si vous prenez, si vous avez passé une sale journée ou un truc comme ça, vous prenez par exemple une douche et vous pensez à eux. Puisqu'en fait, comme ils sont connectés à l'eau et que votre corps est composé d'eau, vous pouvez penser à eux, vous allez voir, ils ont vraiment comme but et comme une grande puissance pour aller, on va dire, nettoyer tout ce qui vous, en fait, tout ce qui ne vous appartient pas. C'est ça. Tout ce qui ne vous appartient pas, ils arrivent à le nettoyer à distance pour que vous soyez réaligné dans votre cœur. Ouais, c'est vraiment des grands êtres d'amour aussi. Alors, les Mayas. Les Mayas, eux, avaient une technologie bien plus avancée, car on aurait retrouvé des montgolfières, des temples avec des hiéroglyphes qui nous montrent des sortes d'engins volants. C'était une culture avec un grand respect des uns et des autres, qui commerçait avec plusieurs peuples et qui était en contact permanent avec des êtres galactiques tels que les Lyriens, les Urmas et les Pléiadiens. Leur temple montre à quel point ils ont pu être aidés par des races galactiques bien plus avancées qu'eux. Ils ont laissé toute une culture et des enseignements extrêmement puissants, sans parler de cette fameuse tablette qui annonçait non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde et qui a laissé place à un nouveau paradigme qui a commencé en 2012. Il fut décidé par l'Alliance galactique que les Mayas quittent la Terre, car l'Alliance savait très bien qu'ils seraient amenés un jour à rencontrer des puissances étrangères et que leur culture et leur technologie auraient créé des envies ainsi que des guerres. Les Mayas n'étaient pas un peuple guerrier, mais bien au contraire un peuple communautaire, avec une grande bienveillance et une culture très portée sur la nature et la spiritualité. Alors il fut décidé de les évacuer et pour cela, les Lyriens installèrent un grand portail de téléportation magnétique qu'on peut aujourd'hui appeler le triangle des Bermudes. Ce portail créa un énorme champ magnétique qui ne fut que désactivé que dans les années 1980, une fois la Terre quittée. Il fut décidé de les installer dans la constellation de la Lyre pour les aider à prospérer en tant que peuple galactique 5D. Les Mayas ont une histoire fabuleuse, car avant d'être un peuple galactique, ils étaient d'abord des humains. Vous avez tous entendu parler des Mayas d'Amérique centrale. Aujourd'hui encore, les historiens sont très divisés par le peuple des Mayas et de leur histoire. Et les théories vont bon train à savoir comment un peuple aussi avancé pour l'époque a pu disparaître. Les Mayas étaient un peuple très évolué à l'époque terrestre. À la différence de beaucoup de peuples de cette période, donc là on est en 2600 avant Jésus-Christ, ils ont eu cette grande chance de ne jamais tomber dans une forme d'ego et ont pu collaborer pendant plusieurs milliers d'années avec les galactiques de la Lyre. Les Lyriens étaient fascinés par leur fulgurante évolution, leur aptitude spirituelle et leur puissante vibration. Leur évolution fut si rapide qu'ils atteignirent très vite la 5D, à une époque où la plupart des peuples étaient dans des dogmes très religieux et un esprit qui se fermait de plus en plus dans les différentes régions du monde, animées en grande partie par les guerres de religion, de pouvoir et de richesse. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui a également été invité à quitter la Terre, tant son savoir et sa spiritualité étaient puissantes. Il s'agit d'Antoine de Saint-Exupéry, qui écrit Le Petit Prince. D'après les Urmas, il est toujours vivant. Il est aujourd'hui sur Sirius. Aujourd'hui, les Mayas font partie de l'Alliance galactique. Ce sont des humains comme nous et ils trouvent fort dommage que les humains ne se connectent pas plus à leur énergie. Ils ont pris la direction du cœur à une époque où tous les autres peuples, comme les Aztèques par exemple, qui avaient pris, eux, la direction de l'ego, ont fini par s'autodétruire. Nous devons beaucoup aux Mayas pour la simple et bonne raison qu'ils ont prouvé que les humains pouvaient accéder à la 5D. Car l'Alliance n'était pas à son premier essai. Ils ont essayé avec les Égyptiens, avec les Grecs, les Sumériens, les peuples d'Asie, mais toujours avec des échecs puisque l'ego prenait le dessus sur l'amour. Avec les Mayas, ils découvrirent qu'un peuple qui va dans la même direction peut créer un égrégore d'amour très puissant et évoluer très rapidement ensemble. Les Mayas aident les humains à avoir des éveils de conscience. On leur doit cette grande avancée énergétique de ces dernières années, ainsi que les différents éveils spirituels qui ont eu lieu actuellement. Les Mayas, contrairement aux autres peuples de l'Alliance, ne s'occupent que des humains. Aujourd'hui, ils habitent une planète de la constellation de la Lyre et ils se sont énormément développés. Leur apparence physique a également évolué.
Ils ont des vaisseaux à leur disposition. Ils survolent beaucoup l'Amérique. Les différentes apparitions au-dessus du Mexique et du Brésil et des États-Unis sont souvent des manifestations de leurs vaisseaux. Ils invitent à travers cette présentation différents canaux à se servir de leur enseignement qui pourrait grandement aider l'humanité. Tu as eu des contacts, toi, avec les Mayas, Nicolas ? Oui, ponctuellement, j'ai eu des contacts avec les Mayas qui aident beaucoup les personnes à guérir, notamment des traumatismes que les personnes peuvent avoir subis. Et ouais, c'est des êtres très sympathiques, très joyeux. Et ils ont des technologies en forme de... C'est des roches, en fait. C'est des vaisseaux de type roche qui peuvent être, par exemple, cylindriques. Et c'est de la roche programmée, en fait. Parce que même la roche, hein, tout est conscience, comme un cristal est conscience. Une roche, c'est aussi une conscience. Et en fait, c'est de la lumière manifestée, en fait. Et donc, ils ont ces vaisseaux-là, ils sont très, très sympathiques. Ouais, c'est des êtres avec lesquels vous pouvez aussi facilement connecter. Alors, pour terminer, je voulais vous présenter un peuple qui ne fait pas partie de l'Alliance Galactique, mais du moins, enfin, à proprement parler, mais qui on en parle beaucoup en ce moment. Je trouve que l'image est très parlante d'elle-même. Il s'agit des êtres du soleil central. Alors là, on est vraiment dans quelque chose aussi de très christique. On est sur des êtres de vibration qui sont très, 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 très hautes. Hein, c'est génial. Et je voulais vous les présenter pour terminer avec eux. Alors, les êtres du soleil central sont pour moi les êtres les plus évolués de l'univers, véritables êtres d'amour et de vibration christique. Ce ne sont pas des êtres de type humanoïde galactique, comme j'ai l'habitude de vous présenter d'habitude. Ils sont uniquement des êtres de vibration, difficiles à concevoir pour nous. Ils ne pensent pas, vivent simplement dans l'instant du cœur, dans l'instant présent. Ce sont des êtres avec un amour infini pour toute chose. Leur vibration coordonne le tout entre la matière et la source. De ce que j'ai pu capter, les êtres du soleil central sont une dernière étape avant de rejoindre la source. C'est une vie de vibration intense d'amour, de présence. Ce sont des êtres qui peuvent avoir une connexion avec n'importe quel être dans l'univers, n'importe quel animal, végétal, minéral, etc. Ils ont précisément vécu des milliers de vies sur différents plans. Ils possèdent une connaissance, une expérience qui en font des êtres totalement exceptionnels. Ils sont capables de changer de forme à volonté. Leur âme peut passer d'une forme à une autre. Il n'y a pas de notion de corps chez eux, pas de sexualité, pas de vaisseau, pas de nourriture. Ils sont pourtant sur un plan différent de la source, dans un monde où ils sont entre la matière et le divin, un palier entre les deux. Leur existence est basée sur une connexion à l'amour, dans ce qui se fait de plus pur dans l'univers. Vous pouvez les capter et vous connecter à eux. Ils ont une compassion pour chaque chose de l'univers, même pour les reptiliens, car pour eux, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, simplement l'instant et le plan divin. Alors, il existe d'innombrables mondes galactiques. Les scientifiques estiment à l'heure actuelle plus de 2000 milliards de galaxies, mais le chiffre est en réalité bien plus grand. Il existe des milliards d'êtres sur ces différents mondes. Au fur et à mesure, nous serons amenés à en découvrir de plus en plus. Merci, en tous les cas, d'avoir suivi cette présentation. Vraiment, merci. Merci infiniment, Anatole. Voilà, d'avoir pris de ton temps pour nous confier tes merveilleuses découvertes et connexions avec les frères et sœurs des étoiles. Et merci à ton guide Urma aussi et à tous les êtres galactiques qui nous ont accompagnés lors de cette vidéo. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé magnifique cette conclusion que de terminer par les êtres du soleil central qui sont vraiment dans cet amour divin. Voilà, et effectivement, ouais, qui sont vraiment entre nous, on va dire, et le créateur, sachant qu'effectivement, au sein des soleils centraux qui sont tous reliés entre eux, il y a les êtres aussi qu'on appelle les intergalactiques et qui sont entre les galaxies qui, les soleils centraux, c'est en lien avec le grand soleil central qui est le cœur de notre univers. Voilà. Alors, je voudrais juste
Faire un remerciement, bah déjà te remercier Nicolas de m'avoir invité pour cette présentation, puis également merci aux personnes qui nous ont regardé, puis dire merci aussi à mon épouse parce que c'est elle qui a créé tout ce PDF et je sais qu'elle y a passé pas mal de temps, donc je voulais la remercier parce que c'est pas mal de temps et toi-même tu le sais, c'est pas mal de temps de créer tout cela. Et voilà, merci. On dirait une petite dédicace pour elle. Une grande dédicace. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Anatole. Alors, voilà, n'hésitez pas à retrouver les informations, ce que partagent Anatole et Amélie et Anne Causeur aussi, ta maman, sur Rayonnance TV. Écoute, au plaisir que tu reviennes d'ici voilà, quelques mois, peut-être quand tu auras découvert d'autres. Des nouvelles informations, ça marche. Voilà, d'autres peuples, parce que je crois que tu en connais d'autres que tu n'as pas encore. Ah oui, oui, j'en ai beaucoup d'autres. Ouais, mais j'ai voulu mettre vraiment les principaux peuples de l'Alliance Galactique. Mais il y en a d'autres ouais, qui ont des histoires et des vies assez marrantes. Ouais. Ah, ouais. Assez marrante et assez puissante finalement dans leur énergie, ouais. Ouais, et en fait, tout simplement, on peut dire en conclusion, ce qui nous réunit tous, c'est tout simplement, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la vie, c'est la lumière. Et voilà, c'est simplement cela, et tout ça, c'est en nous, c'est nous. Et merci Anatole, merci à eux, merci à nous pour ce qui se vit actuellement sur Terre. Très, très, très belle soirée. Moi, que tu veuilles continuer à tu veux encore passer. Non, je pense qu'on a. Franchement, tu as dit le mot de fin, l'amour. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de nourrir. Mais vous savez, ce n'est pas que l'amour envers les autres, c'est l'amour aussi envers soi-même qui est très important. Parce que plus vous vous aimez, non pas d'une manière égotique, hein, je l'entends, mais plus vous vous aimez, plus vous vous envoyez de l'amour, et plus finalement, vous allez devenir en fait comme un phare dans la nuit qui va éclairer tout le monde, puisque vous êtes l'exemple, vous-même, vous êtes l'exemple où en fait, quand vous vibrez tellement fort, automatiquement, ça a des répercussions sur les autres qui vibrent aussi. Et en fait, ça crée comme ça un effet boule de neige qui fait que de plus en plus de gens s'éveillent finalement aujourd'hui à tout ce qui est la spiritualité, de plus en plus de monde s'éveille à l'amour et le regard du monde change. Et on le voit tous les jours, on le voit tous les jours. Et ça, c'est fabuleux. Un grand merci en tous les cas, Nicolas, parce que je te dis un grand merci parce que c'est toi qui m'as amené là-dedans. Tu es mon maître merci. Là-dedans. ton frère. Merci infiniment, Anatole, et à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Très belle soirée. Au revoir. Au revoir.